D'ici quelques instants, du coup, le premier match de la journée devrait pouvoir débuter. On vous l'a présenté sur le canapé, mais Léviathan Lard, voilà, qui va lancer les hostilités avec forcément la présentation des équipes avant l'entrée sur scène. On est en play-off aussi, et il faut comprendre que là, on a 3 jours de play-off en huis clos. Et normalement, à partir de lundi prochain, je crois que c'est le début du public. Donc, on sait à quel point les Turcs sont fans de Valo, ça va être pas mal, franchement. Ouais, il va y avoir une ambiance de folie, je pense, honnêtement. Il y a moyen que la salle soit bien remplie là-dessus. Effectivement, les Léviathan contre Loud, comme on en parlait tout à l'heure sur le canapé. Ah, il paraît que c'est aujourd'hui le public, du coup. Ah ouais, il semblait, ouais, mais... D'accord, je croyais que c'était en 2 parties. Ok. Et il me semblait que c'était une partie 3 jours, une partie 3 jours. C'est assez étonnant alors qu'on n'ait pas eu de petit travelling sur le public pour montrer les gens. Bah ouais, là c'est la même scène que d'hab en plus. Hein. Je sais pas, j'ai un doute. Enfin bon, on retrouve du coup Léviathan contre Loud. Effectivement, ouais. Sur le canapé, bon, on voit tous, je pense, Léviathan passer quand même. Avec un parcours. Moi je sais pas, tu vois. Moi j'ai mis Léviathan dans mes pronostics. Mais j'entends que tout le monde est en mode ouais ça va être facile et tout, mais alors moi, ça va pas être facile hein. Facile peut-être pas, mais comme je disais, c'est-à-dire que Loud sont passés en playoff en battant la même équipe en fait. C'est-à-dire que c'était uniquement contre Zeta qui n'est pas non plus l'équipe sur laquelle... C'était pas des ouf hein, voilà, Zeta, on est d'accord. On mettait pas non plus des points là-dessus. Donc effectivement ils ont quand même 2-0, 2-0 Zeta à 2 reprises. Mm-hmm. Maintenant, bon bah voilà, Zeta était plus ou moins absent sur certaines maps. Ça n'empêche que Loud arrive maintenant en playoff, donc l'objectif il est quand même réussi, on est quand même présent au playoff. Maintenant, on va falloir tout donner, on va voir ce que ça va donner. Mais concernant Léviathan, en phase de groupe, on a quand même battu des équipes qui étaient au-dessus de Zeta. Ouais, on a Liquid, on a PRX. PRX, encore une fois, qui était vice-championne. Enfin, voilà. Ouais. Qui avait fini deuxième des derniers Masters. Donc, c'est clair que le tableau de chasse de Léviathan est plus impressionnant. Et sur le serveur, ça avait de la gueule. Voilà, faut le dire. Clairement. Ça jouait bien, ça jouait ensemble, il y avait le skill. Mais moi, j'ai toujours un peu ce doute parce que 2-1, c'est Valorant. Et on sait que les résultats d'un jour ne sont pas les résultats du lendemain. Et au-delà de ça, c'est deux équipes qui sont de la même région, qui se connaissent forcément, qui doivent se prac régulièrement. Même si elles évoluent du côté de Loud pour la scène brésilienne et du côté de Léviathan pour la scène d'Amérique latine globalement hors Brésil. Donc je sais pas, moi j'ai ce doute et je pense pas que ce soit un match si facile que ça, même si en effet mon pronostic va quand même à Léviathan. J'ai une préférence au niveau du style quoi. Ouais bien sûr, tu me rejoins là-dessus, 2-0 pour Léviathan du coup, 13-2, 13-3. 2-1, et je pense vraiment que ça va être un match très tendu. Vous découvrez les vétos ici en tout cas sous vos yeux depuis tout à l'heure. On a enlevé Pearl du côté de Loud, ce qui peut se comprendre, on a enlevé Fracture. Et voilà, au moment où j'ai abordé tout ça, c'est donc Icebox qui va commencer pour Loud, Haven ensuite, choisi par Léviathan. Franchement moi Léviathan sur Haven c'était masterclass. On utilise souvent ce terme à l'arrache, mais je trouve vraiment qu'ils l'ont extrêmement bien joué. Je suis content de les retrouver dessus. Ouais, on est à 4 Haven là depuis Copenhague, 75% de win rate, donc on en gagne 3 pour en perdre une seule. Rien de très. Voilà, je suis pas. Ça me choque pas le map pool et les Léviathan vont être confiants sur Haven. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour moi, on va avoir du très très beau jeu. On a Loud qui ban Bind. Bind qui est une map un peu coin flip hein, pour les Léviathan pour le coup. Seulement 2 maps Bind jouées depuis le début des Copenhagen. 50% de win rate. On banne quand même Bind, donc je pense que c'est plus parce qu'on ne doit pas avoir tant que ça de jeu, ou alors c'est une map qu'on joue pas du tout, qu'on prague pas côté Loud. On préfère l'éviter en effet. Et c'est donc Ascent qui sera le decider de ce premier BO3. La map consensus par excellence avec Haven. C'est vrai qu'on est sur les BO3, c'est classique, il n'y a que cette Icebox qui fait presque tâche entre guillemets, et c'est Loud qui l'a choisi. Moi j'ai un peu peur pour eux. Hein. Ouais, c'est vrai que Icebox c'est vraiment la map que je m'attendais pas forcément à jouer. Par contre, je pense absolument pas partir sur la map Decider pour Loud parce que Léviathan a 100% de win rate sur Ascent. Ok. 4 maps jouées. D'accord. Voilà, pas n'importe quoi non plus. 4 Ascent de jouer, 100% de win rate, c'est une map qu'ils connaissent, c'est une map qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc, ils l'ont joué en pool ou pas cette map là J'ai pris les statistiques depuis le début de Copenhague. Ok. Ok, parce que c'est vrai que moi j'ai plus trop de mémoire d'Ascent de la part des Léviathan, mais bon, s'ils ont le même niveau sur les maps que sur Haven qui a été vraiment marquante, c'est vrai qu'on... Bah moi j'ai hâte en fait, j'ai juste hâte de voir Léviathan, de voir si vraiment il y avait quelque chose en pool ou pas. En fait, le spectre que j'ai toujours un peu en tête, c'est toutes ces équipes qu'on a déjà vues à de nombreuses occasions dans les Masters et dans les Champions de l'année dernière, qui faisaient un parcours en pool impeccable, t'étais là en mode « Waouh, trop fort, ils ont 2-0, ils ont éclaté tout le monde » et ils arrivent en playoff et t'as pas forcément la même sauce. DRX, voilà, ce sont les spécialistes de cet exercice. Et moi, Léviathan, je me demande en fait s'ils ont pas peut-être ce profil aussi. Bah à voir, maintenant c'est vrai qu'on se retrouve quand même, comme j'ai dit, contre deux grosses équipes, Liquid, PaperX. C'est vrai.
qui sort premier de la poule de la mort, en fait. C'est ça, c'est la poule de la mort, c'est la poule où clairement je pense que personne voyait Léviathan passer directement, et au final on arrive à infliger un 2-0 sec à chaque équipe en jouant parfaitement bien. On a quand même 4 pistoles sur les deux BO qui sont remportées, enfin du coup ça fait 8 pistoles au total. Il y a un 100% de win rate sur les pistoles. On sait à quel point les pistol rounds sont déterminants pour la suite d'une game en MR12. Donc non, Léviathan, on les attendait pas du tout. Et moi, au contraire, je pense pas qu'eux soient dans cette optique de « on est trop fort en phase de groupe et on s'éteint un peu en play-off ». Je pense qu'ils sont vraiment full focus et ça va continuer. Là où, par contre, chez Loud, bah, encore une fois, j'ai l'impression de voir un peu le début d'FPX, c'est-à-dire pas vraiment « on gagne », mais c'est pas convaincant. Ouais, c'est pas clean comme ça pourrait l'être, etc. Clean. Même, bah oui, on en parlait, leur match un peu gag contre les États, hein, c'est la victoire, elle est là, mais de 1, elle est pas clean, et de 2, on a l'impression qu'ils y vont à l'arrache et que ça suffit, quoi. C'est ça, exactement. C'était un peu catastrophique, c'était chaotique, surtout côté États. Donc voilà, la victoire de Loud, je pense pas qu'elle soit... C'est pas une surprise, mais c'est pas révélateur d'un grand jeu non plus. C'est-à-dire là où par contre, Fnatic hier soir nous a montré du très très beau Valorant. Ouais, ils sont qualifiés avec la manière. C'est très sec, mais voilà, comme je l'ai dit, il y avait l'art et la manière. Fnatic avait vraiment l'art et la manière et ils ont gagné, mais très largement leur game. Et là, pour le coup, ça montrait du très très beau jeu. Là où chez Loud, c'est encore un peu faible. Ouais, donc vous le comprenez, on a une grosse préférence Léviathan ici, et c'est vrai que ça joue très bien. Alors, en parlant de Loud, voilà, ils sont sortis de leur pool, tu disais Zeta Division, une équipe un peu chaotique, un peu difficile à cerner. Là, on a le grand écart au niveau des styles, parce que Léviathan, c'est tout l'inverse, quoi. Genre, c'est pas vraiment. Ils vont vraiment chercher la discipline, chercher le jeu d'équipe, chercher la cohérence, etc. Donc c'est vrai que j'espère en tout cas qu'ils ont pu préparer, forcément pu préparer le match, mais qu'ils ont trouvé de quoi se battre un peu, parce que dans la théorie en tout cas, c'est vrai que Léviathan semble brillant, quoi. Ouais, mais c'est surtout que là, en termes de map pool, donc on sait qu'on va jouer à Saint Haven et du coup Icebox au milieu. Au tout début, je crois. Ça reste des maps très très fortes pour Léviathan, c'est-à-dire qu'éventuellement, si c'est Icebox la première map jouée, on pourrait voir une Loud arracher cette carte, qui reste assez particulière en termes de stratégie, et voilà, on a vu des 5-0 B, peuvent le faire. 5-0A, voilà. Le stratégiquement, la map, elle est intéressante, mais pas autant qu'une Bind ou qu'une Ascent. Voilà. T'en répètes doucement, t'as dit quoi? Icebox, c'est une map intéressante stratégiquement, mais moins que les autres? Pas intéressante. Ah, pas intéressante, ok, j'ai cru. Icebox, elle est très limitée, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes plans de jeu, il faut que la map, elle change, en fait. Que les choses soient claires. On a toujours ce Sova qui monte en A, qui doit mettre le drone parce que pour éviter un certain pic, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est. Bah, c'est carré en fait, c'est là où on a FPX qui a essayé de changer un peu, de varier, prendre une fade, mettre le proler, etc. Mais là, ils étaient contre une équipe qui ne s'était pas trop adaptée à ça. Mais voilà, on a vraiment tout le temps les mêmes plans de jeu sur Icebox, donc la map elle est assez particulière. Et Loud, ils peuvent éventuellement gagner cette map. Mais par contre, Haven, Ascent, je ne vois pas du tout Loud remporter une de ces deux cartes. Pour moi, les Viatans sont largement au-dessus. Après, ils avaient quand même des forces, ils ont des joueurs qui... ont montré de très belles choses. Forcément, on pense à Sassy qui est un peu le star player malgré son rôle d'initiateur. On le retrouve sur Fade, on le retrouve sur Sova. Et c'est vrai que son style de jeu reste quand même une référence. Mais ouais, on est inquiet. Et pour moi, le seul truc qui peut donner un avantage à Loud, c'est cette histoire de région, quoi. C'est qu'on se connaît. On se connaît par cœur. Et ça peut réduire, on va dire, la vraie différence entre les joueurs. Il y a le public. Et du coup, ouais, je comprends pas, ils sont où le public? Pourquoi on nous les montre pas, en fait? Est-ce que c'est pas juste du voice comme le foot pendant le Covid? Ouais. Alors c'est vrai que il y a assez peu de places, je crois, dans la salle. On parle de 5000 places, donc peut-être pour ça, ils doivent être en arc de cercle devant les joueurs. Et du coup, il n'y a pas de changement de scène. D'habitude, dans les Masters, on est habitué à ce qu'il y ait une scène pendant, enfin, tant qu'il n'y a pas de public. Et après, on change de scène pour les derniers matchs, etc. Parce donc là, on devrait rester sur la même scénographie, quoi. Ce qui est assez dingue en termes de production, c'est vraiment on n'a pas un seul travelling pour montrer le public, pour essayer de vendre la scène ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment ce doute de... Est-ce qu'il y a vraiment un public, en fait? Bon, après, il fait coucou, j'espère qu'il n'y a pas coucou dans le vide. Hein. Ça me rappelle sur certains jeux où ils avaient mis des faux publics, bah, ou même au football, hein. Bah, le football, des faux applaudissements et tout. C'est incroyable, ça. Mais ok, d'accord. Bah, c'est rassurant en tout cas, parce qu'on devrait pouvoir entendre en tout cas les gens hurler lors des actions, etc. Ça reste très cool. Ça hype énormément. Et du coup, pour revenir un peu sur les joueurs, côté Léviathan, on a Shy qui joue Flex Dulix, qui a été monstrueux contre BRX avec 28 kills au total sur Bind, par exemple, sur 13-11, qui termine un BO en plus 19. C'est assez rare, mid 1, donc pour le notifier, ça reste intéressant. Flex Dulix qui carrie un peu son équipe. Oh là là, ça peut être une très très grosse force côté Léviathan d'avoir un joueur qui peut sortir comme ça une game incroyable. Là où généralement on retrouve toujours le Chamber ou la Raze ou la Jett, qu'importe, le dueliste et le Chamber qui font la différence dans une équipe. Chez Léviathan, on a plus Shy qui arrive à briller du coup. Ouais, et t'as Colilla aussi qui reste le star player, only Chamber, et qui a l'air d'être la,
le gars sûr sur lequel on peut s'appuyer. Bref, les joueurs sont entrés sur scène, comme vous pouvez le voir, assez tranquillement, pas d'extravagance. Un dernier talk, un dernier discours de motivation donné par Jason Latham lui-même. Voilà, et pendant ce temps-là, on a un booster qui surfe sur les... voilà le public. Non, mais ils sont 40 en fait. Ok. Ils sont contents, mais ça fait du bien de revoir un peu de public pour l'esport, mine de rien. Ça fait rendre les bons en tout cas. Et on va pouvoir s'installer, donc Icebox qui lance les hostilités. Là c'est le moment où j'adorerais pouvoir vous parler de composition, sauf que vous tombez mal. Hein. Icebox, on va avoir du classique de chez classique. Et seul un pic qui peut être un peu changeant parfois. Ouais, après comme tu l'as souligné, hein, côté Léviathan, on a quand même un Taco Lila sur un chamber qui est monstrueux. Icebox, ouais. Bah, on sait très bien que c'est du 100% pick rate sur chamber, hein, clairement. Non, ça va. Et finalement, il y a du monde. Hein. J'aime mieux ce plan-là, il est cool. Voilà. Ouais, il n'y a pas 40 personnes, Reaper, hein, je crois. Tu rends chuté mauvais. Le premier plan, il était traître, franchement, il faut le dire. Mais il y a du monde, c'est cool. Ok, ils sont énervés. Et ils se motivent. Et il faut, on arrive dans les playoffs, les matchs vont être de plus en plus compliqués, forcément. Les taux se resserrent. Et on sait, je pense que Loud savent très bien que le match va pas être si simple que ça. Même si on a eu le temps d'analyser un peu le jeu de Léviathan ou quoi que ce soit, ça peut ne pas suffire, attention à ça. Et à contrario, Léviathan au final ont très très peu de data sur Loud, encore une fois, c'est-à-dire qu'on gagne la même équipe, donc en termes d'adaptation et tout, ça peut être un peu compliqué en termes d'anti-strat, tout ça. Que tu gagnes 2-0, mais face à la même équipe, ça t'offre forcément moins de solutions. Puis Loud, j'ai presque l'impression que c'est une équipe qui est pas worse anti-strat, quoi, vu qu'ils ont l'air d'improviser pas mal de choses. Il y a peut-être, ça peut être un peu contre-productif même d'investir trop de temps à essayer de les préparer vu comme ils peuvent arriver un peu au talent entre guillemets sur leur rencontre. Léviathan par contre, vu leur style de jeu, c'est une équipe qui doit souffrir je pense de l'anti-strat parce qu'il y a quand même des phases comme ça qui sont répétitives et qui sont vraiment analysables on va dire assez facilement. Donc on verra bien. Mais ça c'est une question que je me pose parce que par exemple Fnatic sur Bind, ils répètent un peu tout le temps le même schéma de contrôle map, toujours la même chose, etc. Et au final, ça marche, quoi. On a le side hier de 10-2, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y avait de l'anti-strap là-dessus. Pourtant, leur contrôle map était littéralement le même que plein de binds qu'ils ont déjà joué. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mec tout seul long B qui prend l'info, qui prend la flash de Sky. On a le mec qui met un peu de pression short avec le mur de Viper, etc. Donc voilà, l'anti-strap... Je pense qu'à ce niveau de jeu-là, peut-être qu'on a des bases, on a peut-être sur des petites routines, on a quelque chose. Bon, voilà, quand ils mettent ces smokes-là, ils font tout le temps ça. Ils mettent cette... Mais je pense pas que ça va plus loin et je pense sincèrement pas qu'on adapte notre jeu, surtout face à des routines qui s'est passé sur d'autres matchs. Ouais. Et vous l'avez vu, c'est compo miroir entre Léviathan et Loud avec du coup le cinquième homme. C'est un KO qui débarque d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça aurait pu être une Reyna, ça aurait pu être une Killjoy même parfois, mais là c'est le second initiateur qui est préféré par ces deux équipes d'Amérique latine. Et donc au-delà de ça, compo habituel, la Sage qui permet de planter, la Viper qui reste le meilleur contrôleur, le Sova qui est sur sa meilleure map ici, et évidemment le Chamber qui est top pick sur toutes les maps de toute manière. Ouais, bah on voit vraiment une compo, la compo la plus jouée en fait sur cette map. Le KO c'est une ressource incroyable sur la map. Son couteau permet vraiment de prendre l'information très deep en B début de round. Il permet de cancel le drone de Sova quand il va prendre les informations en A. Voilà, il y a pas mal de choses à faire autour du KO. Et le KO, oui, de toute façon c'est un must-have je pense maintenant sur Icebox. On a vu FPX hier qui ont sorti une fade à la place de Sova. Ça a fonctionné pour eux. Maintenant est-ce que ça restait encore convaincant? Je sais pas. Je préfère tout de même le Sova. Ouais, pareil. Je trouve vraiment meilleur. Je trouve au contraire qu'hier FPX était contre une équipe qui s'est pas réellement adaptée à ce pic de fade. On retrouve le contrôleur Viper, comme tu dis, sa meilleure map, je pense. Y a pas mieux pour le moment. Tu peux vraiment pas mieux. On avait vu, je crois, pendant les VRL, le K-Corp sortir un Omen sur Xbox et ça avait Vu qu'ils avaient mis 13-1, on avait envie d'y croire, mais franchement, ils ont pas maintenu la chose. Je crois qu'ils ont rejoué à Xbox plus tard et le Omen avait plus ou moins disparu. Dans tous les cas, le match va pouvoir débuter. Icebox, donc, pour lancer les débats, c'est le choix des Louds, c'est le choix des Brésiliens ici. Un choix qui, on le sait, peut être vraiment traître. Et il y a au moins 3, peut-être même 4 équipes déjà qui se sont fait avoir en choisissant Icebox. Rien que dans ces Champions, il faut le comprendre. Donc est-ce que Loud va subir le même défaut? On le verra. Ça fait plaisir d'entendre le public quand même. Hein. C'est vrai que c'est cool, ça change tout. Vraiment plaisir. Et ouais, j'espère en tout cas que côté défense, on va avoir des sides un peu plus proactifs de ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire soit ça joue souvent retake A, ça joue très loin côté B avec les molos, etc. J'espère qu'on va pouvoir assister à un match où ça va un peu plus se fight côté défense. Aller chercher les duels avec des flashs de cailloux, etc. Ouais, mais sur Icebox, où est-ce que t'as gros? C'est pas évident, hein, franchement. Le middle, flash de cailloux et tout, ça peut faire le taf. Hein. On repère 2 joueurs là. Hein. Ouais, là, tu as un premier couteau ici, essaie de faire un petit travail du B. Le couteau était envoyé aussi
par la défense pour repérer de nombreux joueurs sur extrémité B. On casse les flèches et on se saisit déjà de l'espace pour Loud. Ouais, ça a l'air de jouer très safe, on laisse la coquille. Oh. De gros dégâts là, hein, ouais, de rien, et on le sait, hein, on le sait pertinemment, on fake une première fois l'amorçage pour provoquer du contre-stuff, pour provoquer les tirs dans le vent. Mais vous le voyez, on attend surtout de revenir avec les smokes, mais surtout le mur de Melzer, afin d'amorcer cette fois-ci un peu plus sereinement. Ouais, on a complètement laissé le temps là, par contre, à l'équipe de stacker le B. Là, ils sont déjà 5 sur la position, hein, ça va devoir se taper. On a Chamber qui vient de poser son TP, qui va pouvoir jouer un premier duel avant de se replacer. Ouais, c'est bien, il a tenté, il se passe très en hauteur d'ailleurs dans le main B. On va essayer d'accéder du coup à ce site pour les Léviathans qui ont encore le mur de Melzer aussi hein, à disposition. C'est vrai que j'étais trompé entre Pankada et Melzer, mais Melzer regarde le bas, qu'il a vu ici, la tentative de flank sur le tube, il met un gros casque et donc on fait demi-tour. La reprise est là, on a repris le yellow, ça joue tous depuis le main. On essaye de diffuse en profitant de la protection des murs et des coéquipiers. On a Melzer qui a du coup lâché, la montée est faite, il va essayer d'y retourner dans un second temps et on s'impose dans quasiment tous les duels pour les Léviathans. C'est King d'ailleurs qui prendra le dernier pendant que la Sedge désamorce. Et une nouvelle fois, Léviathan s'empare d'un pistol round. Hein. C'est leur 9e d'affilée quand même. C'est beaucoup, c'est vraiment à notifier, c'est énorme et ça va vraiment directement les lancer dans la game, ça c'est sûr et certain. On a vu le plan de jeu assez classique une nouvelle fois. Hein. On a joué côté Retake B et ça a très très bien passé pour eux. Mmh. Et on a eu une coupe qui aurait pu être vraiment dévastatrice du Sova, ouais. Mais malheureusement, bah, il a été check. Hein. Ou, il a attendu. Et là, il est attendu et c'est très bien senti. Ah, oui, c'est vrai que c'est lui qui se bat. Je sais pas qu'il est rond, il punch le vide là comme jamais. Airboxing et du coup ouais, c'est vrai que les deux équipes ont bien joué la situation, que ce soit là ou dans Fake en l'amorçage une première fois dans un deuxième temps, et les Vietnam faisant une retake méthodique et précise. On attention à ne pas trop laisser dépasser les têtes, on reste mobile sur les coups d'épaule ici pour Shai qui comprend que ça passe dans le tube. Alors le couteau sera détruit tout de même et c'est donc lui qui va devoir essayer de tenir ici cette flash. Ça décale, ça casse le trap et Shai fait l'ouverture, deuxième flash il décale, c'est anticipé, on l'esquive bien mais on perd quand même la vie. Un troisième joueur Céleste qui traîne enfin ses coéquipiers, mais Melzer était déjà là dans le main. On essaie de passer côté yellow, deux balles, voilà, c'est ce qui suffit pour tacler là pour s'imposer. Le spike, il est porté par le Chamber qui va s'offrir à une Viper qui n'a pas bougé du BP. Ouais, j'ai pas trop compris c'était quoi le plan de jeu là-dessus. On n'a pas forcément essayé de jouer leur bambé, il me semble pas qu'il l'ait pris. Ouais, certainement quand même si. Mais je comprends pas trop le passage tube là-dessus. Mmh. Si tu peux m'éclairer. Bah ils ont tenté, hein. Ils ont tenté, c'est vrai que le middle, dès qu'on voit une team qui passe middle, on se demande pourquoi ils s'embêtent à essayer ce centre de la map. C'est en ça. Vrai là la réaction de Loud est bien, c'est-à-dire que Sadak, c'est pas Sadak, c'est Shai pardon, il prend l'info en sautant, il se replace, il fait les deux premiers kills, on vient l'aider pour trade enfin. C'est ça. Et les extrémités n'ont pas bougé d'un poil, on réceptionne les deux joueurs qui tentent de s'infiltrer. En fait Loud ils ont un peu tout tenté et en espérant que quelque chose passe quoi. Mais bon. On voit qu'on est préparé à détruire le couteau de Kayo qui est lancé il me semble. Non pas du tout. On a un couteau du coup côté Léviathan qu'il garde en réception. Une fois qu'on a les premières infos, il est claqué. Là on a eu la première information du coup. On a lancé déjà le couteau caillou. On a vu qu'il y avait personne côté Bilong et on a wall très très deep le Bilong. On laisse le Chamber solo. La Sage va se replacer pour prendre le gap et on a toujours le caillou qui. Ça fait c'est un peu système rideau là côté défense. On a la Viper et le Sova qui jouent très 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 safe. Et le caillou qui est prêt à rotate. Là, je comprends pas pourquoi Pankada ne casse pas le mur en B. Genre tant qu'il est pas détruit ce mur, c'est une grosse information pour Léviathan. Je pense qu'il est pas au courant qu'il y a le mur. Hein. Ouais, il fait des petits coups d'épaule, il va s'en rendre maintenant. Pendant qu'on joue quand même au contact là, du A, avec du coup Aspas qui va attendre le fade de cette smoke pour jouer un contact screens. On a récupéré l'or pour le Keio, ça c'est intéressant, c'est qu'à quel point l'ulti peut être crucial pour faire des strats ou s'emparer d'un BP. On n'aura pas le temps de casser la flèche avant la première ronde. Hein. Et là il y a trois joueurs qui passent, mais le spike est loin, hein. Vraiment très très loin. Petite tâche pour le backside. Ouais, on s'impose malgré la spectre. Ok, c'est Shai qui tombe au niveau des screens. Et on comprend que la Viper doit être débordée. Le saut va se rater. Et c'est ce qui permet à Sadak de faire la différence ici avec sa fantôme. Le spike, du coup, va être amorcé. On wall à gauche là du côté des screens. Et on plante défaut. Et la reprise va arriver. Mais Takolia est encore très loin. Ça dépasse. Ouais, Melzer qui laisse sa tête dépasser. Et ça fait arracher. Ouais, Takolia qui va devoir aller chercher économiquement des duels. Là, juste histoire de faire perdre de l'argent à l'équipe adverse. C'est assez étonnant comme plan de jeu. Hein. Il y en avait que 3 qui investissaient le BP. Ouais. On a lancé un premier jeu de stuff avec le couteau caillou. Puis après, on a commencé à s'avancer en slow, flash. Mais seulement, on est très très loin. Et ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça passe, que on perd que 2 armes là-dessus. Ils sont pas ensemble pour aller chercher le backside. C'est ce qui fait que King et sa Viper prennent quand même un kill qui n'est pas très tout de suite. Puis voilà, c'est le move, hein. On monte dans le nest, on saute à l'arrière du BP. Le Sova, il regardait la même ligne que la Viper, l'un au-dessus de l'autre, et ouais, les deux se font surprendre, quoi. C'est juste ça. Ouais, on a déjà un ulti Viper côté Léviathan. Est-ce qu'on va avoir un plan de jeu dessus? Et les côtés vu comment B, il s'avance côté B, il y a moyen qu'il a complètement le B dès le 4ème round avec son ulti. J'ai l'impression que Melzer veut aussi mettre son wall comme tout à l'heure, hein, vu qu'il l'accompagne dans le main. Et du coup, ouais, y a le wall, on va chercher l'orbe. Ouais. Wall qui va être détruit un peu poussivement et il s'en va.
Et King n'ose pas claquer son ulti pour l'instant. Attention, il a été touché par le couteau, donc il doit de toute manière temporiser encore quelques secondes. Et voilà, on fait des petits coups d'épaule, on comprend qu'il y a encore du monde en contrôle, mais pas une vraie pression quoi. C'est simplement des joueurs un peu, voilà, un peu de loin qui prennent leur temps pour casser le mur et rediriger. Ouais, le mur est assez intéressant parce qu'il bloque à la fois la sortie garage et à la fois la sortie longue. Donc c'est-à-dire que tu dois vraiment péter deux blocs pour pouvoir exploiter les deux positions. Et pendant ce temps-là, ça jouait côté safe, sacrément safe, côté A là pour Loud. Ok, première flash clic droit, ça fait TP back le chamber qui va devoir se replacer. On prend l'orbe une nouvelle fois côté Loud. Et c'est parti. On a style ulti, c'est... Ouais, c'est parti. Mais encore une fois, on est que 3, on est Kayo solo. Hein. La Sage et la Viper sont encore super loin, il engage tout seul. Ouais, c'est vraiment le sauval Kayo qui supporte, qui font tout ce qu'il faut au niveau du stuff pour y aller. Mais là, ils n'ont pas réussi à toucher la Viper. La Viper est en B. Et c'est pour ça qu'elle ne prend pas les ondes qui auraient pu faire tomber ce wall. Et donc, on doit temporiser. Et maintenant que c'est passé, on va essayer d'aller sur un couteau. Le couteau qui trouvera juste Kayo backside. On arrive à mettre le mur, mur qui est déjà détruit. Attention, on tente d'amorcer pour Pancada à 30 secondes de la fin. On ne pourra pas l'en empêcher et reprise à venir en 5v5. 5v5 retake, ouais. On n'a pas de lurker. On attend un lurker à côté Sage pour Léviathan, mais ça n'arrivera pas. Le wall a déjà été investi côté Bilong, la retake va être super compliquée là-dessus. Ils tiennent le BP par contre, hein. Vraiment ouais. Ils sont à 4 dessus ici, on veut se battre au contact. La flèche de reconnaissance va marquer la reprise ici dès Léviathan qui veut essayer de jouer autour. Mais c'est parce qu'il fait le premier duel réussi, on casse la flèche de réponse d'ailleurs. Et on a du mal à y aller, on a du mal à s'avancer, ça tient dans le NES, des kills de chaque côté pour Kana, enfin un trade. Et Sada qui continue de faire la tourelle, on abandonne déjà cette idée de retake. Ils ont tenu en restant très haut en fait sur le BP. Ils se sont battus sur le BP, il y a la recon, le cooldown de la recon côté... côté Loud qui était revenu, ça a permis vraiment de faire la différence sur certains duels. Et effectivement, en fait, ça plante le spike, on est en 5v5, on ne veut pas jouer ce retake. On ne veut pas jouer en post-plante, très très loin des lignes, etc. Quand bien même la Sage waste un peu son ulti côté Bilong dès les premières secondes de jeu. Ouais. C'est... Et c'est assez particulier, hein, parce que encore une fois, on a un Kayo qui investit son ultimate. Au final, ils y vont pas parce que la Viper qui ne se fait pas de silence active son wall, donc c'est assez compliqué de le cross. Ils ont un rythme inhabituel en fait. Ils ont un rythme super bizarre, c'est-à-dire que là, on a Kayo qui est passé solo. Voilà, on avait encore la Sage et la Viper qui étaient assez loin, qui ont mis une première pression bilongue pour péter le wall, etc. Et le temps qu'ils reviennent, le Kayo, c'était limite, il était déjà passé sur le BP. Donc le rythme, il est très particulier et ça met quand même les runes. Alors Léviathan light by, ils ont l'arme sauvegardée de Melzer, il y a une Stinger et ils vont se prendre un bus là, on sait qu'on est en anti-écho et donc on a de jouer plus premier degré si on peut dire ça comme ça. En plus la Sage, vous le voyez, elle est hors de position, elle tient le B et c'est donc des joueurs avec pas grand chose qui vont devoir tenir en A. Ah, ça joue beaucoup plus vite, on est déjà au niveau du BP ici en train de faire le même move que d'habitude, c'est à dire monter dans le tube mais pour planter cette fois-ci, pas pour faire le move. C'est Aspas qui va arracher la première tête backside, on se bat toujours sur cette zone et ça couvre, enfin tout recouvre, tous les défenseurs tombent les uns après les autres, fin de la smoke, on chope Takolila et Melzer va repartir save. Hein. Ah, quelle map intéressante. C'est pas mal Icebox, hein. La 5-0. La 5-0 A et voilà. En fait, quand ça change de rythme, on est refait parce qu'il se passe un truc nouveau. Voilà. Et c'est dire à quel point c'est triste. Sinon, c'est comme d'avant. Même exec, le mur à gauche, le caillou qui monte. Alors là, c'est pour planter aussi et pas ça, pour aller chercher l'équipe backside. Mais je pense que l'idée de planter, ça reste correct. On sait qu'en face, ils n'ont pas trop d'économie. Donc si tu joues post-plante et tu joues la long range, c'est tout bénef pour toi. Encore une fois, on a investi le wall de Sage côté Bilong pour prendre la hauteur cette fois, pour jouer la verticalité. Et ouais, laisser la Sage solo, c'est une nouvelle fois assez particulier. Peut-être qu'il nous faudrait une Sage là, il faudrait que Léviathan change un peu la défense, avoir la Sage côté A qui est prêt à réceptionner, mettre le wall, mettre les slows pour quand ça les push, ça éviterait de se faire 5-0 aussi rapidement comme là on l'a vu. Et peut-être se battre un peu plus quoi, un peu au niveau du site ou au niveau des pipes. Là j'ai l'impression qu'il leur laisse pipes, maze, défaut. Ils jouent que depuis la passerelle ou depuis les screens, c'est trop d'espace hein, qui sont à la disposition des Brésiliens. Ouais, on va laisser le bénéfice du doute dans le sens où là c'était un peu voilà, force buy, c'était pas du force buy, c'était de l'écho Stinger, etc. Mais par contre c'est vrai que prochain round va falloir changer un peu le rythme et peut-être également que là vont s'attendre à un changement de rythme côté Léviathan, ils vont s'adapter et faire quelque chose de nouveau. Là on voit qu'on s'oriente sur le B à 3 avec Chamber qui va contrôler le middle qui s'est TP et le Sova qui va mettre la routine en A. On a toujours le wall qui est imposé, on a le... Oh, il a pas pris l'arme. Il a pas osé. Là, il a pas osé. C'est vrai qu'il y avait au moins deux personnes qui étaient en train de détruire son mur. J'aime pas trop, moi, cette routine d'aller chercher l'orbe. Alors, c'est intéressant, mais elle est coûteuse, quoi. C'est le mur, tu t'en sers que pour ça. Du coup, tu l'as plus pour les retakes. C'est pour un ulti de Sage qui, est pas si facile d'utilisation, quoi. Il faut vraiment que la condition soit là pour qu'il puisse s'en servir. Et au final, ça a pris le middle pour les Louds qui vont même travailler le tube. On a cassé le trap de Chamber et on repart. C'est ça, là, on reparle de cette fameuse grille où on cochait des cases. Là, c'est ce qu'ils ont fait, clairement. On pète le wall de Sage côté Bilong. On avance dans la kitchen, on pète le trap, on recule et on repart en contrôle map. Maintenant, il y a deux choix. Soit on repart en 5-0B, mais on a vu que le Chamber côté Léviathan avait un opérateur. Soit on repart en 5-0A et puis je pense que Weeper, on va être témoin encore d'une finition A à 5. Est-ce que ça serait pas le moment où King claque son ulti là? Dès qu'il se rend compte que ça vient sur lui, il va y avoir la flash habituelle je pense du KO et à partir de là
essaie de tenir. Là il voit, voilà, il voit le stun qui part et il essaye, il aura le temps de mettre son ultimate avant que ça lui tombe dessus. En plus les molos sont ratés, mais on sait où il est, on le préfire, on lui met deuxième molo dans les pieds, on a pris quand même le BP, on va chercher, c'est bon. Il tire King avec une belle tête arrachée sur Sada qui en fait peut-être un peu trop, mais le spike a été amorcé dans le même timing. Ouais, on a investi l'ulti Kayo, ça va retake assez rapidement là-dessus. On voit les trois joueurs qui un peu, voilà, ils ont un peu peur, hein. Là on a un wall de Viper, on a l'ulti de Viper également, donc ils restent tous cachés plus ou moins. Par contre le spike est planté Nest, ce qui permet quand même de jouer assez haut, assez reculé. Est-ce qu'il est planté Nest? Encore une fois, il reste contact, hein. Il reste contact, les joueurs de là. Hein. On ne s'en va pas, pas de post-plan, ça se bat dans le maze, c'est Pokana qui se fait trade, encore des joueurs, c'est Nest qui se fait trade, et c'est Shy au final qui fera le doublé. Ils ont voulu se battre ensemble, un joueur qui reste électrique, et les trois qui vont décaler ici dans cette espèce de elbow, ils se font coucher pour une ouais, fois. On a eu Sadak là, qui a fait peut-être le move de trop d'aller vouloir chercher la Viper derrière son ulti. Forcément, il a pas nécessairement l'avantage là-dessus, mais surtout la plante de Spike qui est assez particulière, c'est-à-dire que je pensais sincèrement que c'était planté hauteur, et en fait, pas du tout. Ils ont planté devant le elbow, ce qui force littéralement le post-plante à jouer contact en fait. Ils peuvent pas défendre le spike depuis la hauteur, depuis le bail, le jail, quoi que ce soit. Donc non, il fallait jouer elbow, c'était la seule position là. Clairement c'était un peu compliqué. La position du spike était assez particulière. Après, ils n'avaient pas le choix avec l'ulti Viper, ils n'avaient pas pu prendre le backside. D'aller à droite, c'est chaud, ouais. Ils devaient planter ici. Et Sadak, même si son move il est difficile, c'était important. Tuer la Viper, il savait où elle était, il lui avait mis deux molos. Il fallait essayer d'aller la chercher, mais bon, c'était simple à dire et difficile à faire. Ça rachète pour chaque côté. Un couteau qui va détecter Melzer qui a enfin changé de position et de routine. J'aime bien. On a switché, la Viper se retrouve en B avec le wall qui reste tout de même côté A. Et par contre, côté là, bon, on continue sur ce qui fonctionne plus ou moins. Hein. On repart en 5-0. On a un premier slow qui est lancé à 1 minute 20, c'est peut-être un poil trop tôt. On a le Sova qui est derrière qui va pouvoir reprendre une info avec sa recon incessamment sous peu. Et le Chamber qui a tout le middle. Hein. Ouais, Aspas qui joue tour de force, Stinger, j'aime bien. Mais on tient pour Melzer, on tient, non pas vraiment, c'est du 1 pour 1 ici. Et ouais, pas de réussite à travers les smokes, même si les dégâts sont là sur les 5 points de vie. Il investit son ultimate sur la gauche du BP, backside, on tient pour Adverso qui essaie d'aller plus loin. Il se prend des dégâts, des molos et des décals. Il en fait un deuxième, il est aidé par son Kayo qui était voilà juste au-dessus. Aspas dans son ulti, il y a toujours Pankada qui l'accompagne. Ils sont en 2v3 ici, on wall et on va enfin. Il y a la Viper qui arrive derrière. King arrive derrière, il peut faire la différence, il peut surprendre la Sage de profil là. Dans quelques secondes, la Sage va. Ah, il y a Scan qui l'a presque gêné ici, le fait baisser, il le voit monter et c'est puni. Laisse dernier joueur en vie, 23 PV dans son propre ultimate. Il se fait pré-fire quasiment par King qui avait mis une molo avant de décaler. Le quatrième point de Léviathan, il est là. Il est là et il est propre. Alors, c'est vrai que Melzer peut faire un poil mieux tout de même. Là, il joue trop le contact. Alors, oui, il en fait un, mais il meurt avec le mur en main. Et il me semble que là, il a son ulti maintenant. Vu comment il a farm les orbes côté Bilong, il doit avoir son ultimate de disponible. Donc, jouer vraiment en premier temps comme ça avec Sage, je suis un peu dubitatif là-dessus. Utiliser le premier slow à 1 minute 20, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un peu trop slow. Donc, c'est. Voilà. On met le round, mais on peut encore mieux faire les choses et on peut vraiment essayer de snowball là-dessus. On a un ulti Viper qui a été investi, mais encore une fois, le round, bah, c'est compliqué. Hein. On a 20 HP, on se prend des shots à travers l'ulti, on prend une choc d'arms derrière. Voilà, c'est un peu compliqué là pour Loud de continuer de faire ça. Ils ont vraiment fait un round assez propre, hein, d'aller péter le wall en Bélong, puis après le trap, repartir sur un control map. Il faut vraiment essayer de reproduire ce schéma. Sinon, on va vraiment avoir des retakes, ce qu'on appelle les panic retakes côté Léviathan, et ils vont se retrouver très très vite à 5, voire à 4 côté A, avec juste la Viper qui nous save côté B. Là, écoute, Lo, on a une petite pause technique, hein, je crois, qui débute ici, mais on va parler honnêtement. Est-ce que c'est pas juste une histoire d'open kill? Tout à l'heure, Loud, ils faisaient leur exec, open kill backside, c'était facile. Là, ils perdent l'open kill sur les mecs backside et ils y arrivent pas. Genre, c'est aussi simple que ça en fait. Hein. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez étonnant, encore une fois, c'est que certes, là, on a mis 3 rounds, mais le plus étonnant, c'est de la manière. C'est-à-dire qu'on a un Kayo qui investit un ulti, mais ses deux potes, ils sont derrière, ils sont très très loin. La Viper et la Sage sont très très loin, donc on n'a même pas le mur pour exécuter, pour mettre le mur elbow. On plante le spike, mais le spike est mal planté, puisque du coup, il y a l'ulti de Viper côté Léviathan, côté Gen. Mais voilà, c'est. Les rounds sont compliqués à mettre, mine de rien. Effectivement, ça, c'est une question d'open kill, mais. Une fois qu'on aura vraiment changé le rythme côté Léviathan, qu'on aura laissé la Sage côté A qui va pouvoir deny un peu tous ces push 5-0, je pense que le résultat va aller très très rapidement. Ouais, on n'a pas d'infos pour la raison de la pause technique, c'est simplement marqué Gear, on peut présumer un problème de périphérique évidemment. Et on profite du public qui est bel et bien ici. Et du coup on se questionne beaucoup, Icebox, la map, les strats, qu'est-ce qui fait qu'un round est gagné, qu'un round est perdu, en tout cas voilà, là on a essentiellement joué en 5-0 extrémité, on les a vus une fois travailler un peu le tube pour les casser le trap de Chambers, ce qui était pas mal, mais en vrai les finishes sont tous les mêmes. On ne se sert pas du mid quoi, on ne se sert pas du mid pour un contre-temps, on ne se sert pas du tube pour infiltrer des joueurs.
Et c'est petit, peut-être qu'ils, c'est aussi peut-être en partie ce qui explique pourquoi ils ont du mal à mettre encore quelques rounds en attaque. Là où les Léviathans ont changé, ils se battent un peu plus haut sur les zones. Ils ont un flank avec King, chose qu'ils n'avaient pas trop fait jusqu'à maintenant. Eux-mêmes, voilà, ils sont un peu passés à autre chose, quoi. Ouais, bah peut-être qu'on s'adapte tout simplement. Tu regardes le pistol, on a voulu partir sur une 5-0 côté B pour Loud. Bon, ça n'a pas fonctionné. Au final, c'était du 5v5 retake, ça aurait pu se mettre. Mais là, ouais, côté Léviathan, on s'adapte un peu. Et je pense qu'il faut vraiment rester sur ce schéma où on met la Viper côté Bilong, on met la Sage côté A qui est prête à réceptionner et on joue la retake en B qui est vraiment l'une des retakes, je vais pas dire les plus simples, mais disons qu'il y a très très peu de cas où, où les défenseurs vont, enfin où les attaquants, excusez-moi, vont chercher très très haut, c'est-à-dire qu'on va planter le spike, on va rester derrière le yellow, on va rester Bilong et on va juste essayer de jouer avec le World Viper, c'est-à-dire qu'au moment où ça va toucher le spike pour le diffuse, bah, le World Viper va monter, on va jouer les duels, etc. Donc c'est très one dimensional comme situation, alors que côté A il y a plusieurs manières de jouer le post-plant, c'est-à-dire que soit tu vas te fight sur le BP et dans ce cas-là c'est très dur pour les défenseurs de rentrer sur le BP, soit ça va jouer post-plant avec les molos, soit ça va jouer les petites lignes cassées, etc. C'est très très compliqué de retake le A, ouais. De rien. C'est vrai. Alors le post-plant on l'a pas trop vu jusqu'à maintenant. Non, ça se bat très haut. Hein. Ouais. Et ça marchait bien en fait, on a salué la première fois qu'ils ont fait ça, qu'ils étaient deux nest et deux BP, on a bien vu que ça avait fonctionné à merveille. Mais c'est clair qu'ils pourraient essayer de passer à autre chose, ils pourraient essayer de changer un peu leur fin de rune, leur post-plant. Ouais. Bon, le problème a été résolu, ça va pouvoir reprendre d'ici quelques instants et je salue la petite pancarte qu'on a vue rapidement dans le public en mode quand est-ce que G2 joue. Et heureusement G2 s'est fait torpiller, pour moi ils n'avaient pas le niveau, un peu comme Ascen, ils n'avaient pas le niveau en cette fin de saison et leur absence dans cette Champions est justifiée, bref. Ouais, ça a toujours été un peu compliqué hein, les line-up chez G2. Allez, ouais, on y retourne du coup. Sova, là. On a un ordre d'avoir celui côté Loud, on a celui déjà côté Léviathan qui peut être déjà game changer hein, là-dessus. Un simple ulti, ça peut gagner de précieuses secondes quand ça plante le spike, ça peut punir quelqu'un très rapidement. Oh, attention, intéressant. Le petit wall ouais, sur l'électrique pour avoir la ligne profonde dans la prise de zone en A. Pendant ce temps, on travaille le middle, on l'avait invoqué, Takoli l'a fait l'open, voilà, grâce au Trix. Ça me fait plaisir puisque c'est vrai que ça fait plusieurs fois que la Sage essaie d'utiliser son wall différemment, donc on l'a vu l'utiliser pour monter très haut en Bilong. Là cette fois on fait monter le chamber pour avoir une ligne vraiment deep côté à lobby, et ça marche, on arrive à prendre le premier kill, on prélève le chamber en face. Possibilité de revive, pas du tout, on est très très loin de le revive, ce sera un 5v4. Ouais. Alors pendant ce temps là le trap a quand même été détruit, on a touché le Sova avec ce couteau là dans la kitchen. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a deux mecs mid, deux mecs extrémité, donc quoi, on split ou plus on essaie de faire une pression main pour que les joueurs infiltrés aient de l'impact. Dans tous les cas, ce couteau détecte les deux joueurs, donc ils ont une compréhension de l'action, les Léviathans là qui est excellente. En A, ils ont toujours le chamber qui tient la baraque et là, ils vont se rendre compte qu'il y a du monde extrémité et ils font même mieux que ça, c'est King qui trouve l'ouverture. Qu'est-ce qu'elle est forte cette ligne mine de rien, t'as vraiment le perspective d'avantage, les adversaires sont obligés d'aller check ça. Ils peuvent pas construire de rune. Hein. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont perdu le chamber, bah il y a plus de plan. Tout le monde essaye de marcher, de trouver, de surprendre, mais avec aucun succès. Quoi. C'est assez étonnant, puisqu'encore une fois, on a un plan de jeu, on a l'air de vouloir partir sur un plan de jeu, même si on a perdu le chamber, on avait le caillou qui était bloqué dans la kitchen, qui avait pris l'espace, qui a détruit le trap, on a la Sage qui allait le rejoindre, alors effectivement, ils se sont fait repérer par le couteau de caillou, mais ça change pas le round non plus. Ils auraient pu rester mais sur par contre, ce qui est étonnant, c'est le duel 1v1 que Viper prend. C'est ça, parce qu'ils sont deux main B et deux tubes, et au final, t'as un seul joueur de main B sur les deux qui s'avance et qui va mourir, et t'as un seul joueur dans le tube qui s'avance et qui va mourir. On ne se suit pas, on ne trade pas, et au final vous le voyez, Sassi et Pancala sauvegardent leurs armes. Voilà, donc ça va juste faire 5v3, le round est passé super rapidement. J'espère quand même qu'on a des solutions quand on perd le chamber, parce que ça va pas être la première fois que ça va, c'est pas la seule fois où ça va arriver de perdre le chamber en début du round, hein. C'est des persos qui se jouent très très late, enfin très très tôt, je veux dire, ça va chercher les lignes, et on le voit, franchement c'est une ligne, elle est incroyable. Hein. Ouais, en plus il le chope dans un pixel, trou de souris quand même, mais c'est vrai qu'il peut avoir une info complète, même si, parce que là le chamber est arrivé par la hauteur, il s'était laissé tomber derrière le nest. Donc il peut pas, avec la ligne classique en fait, c'est là où tu peux te faire surprendre parfois, en étant simplement sur l'électrique, mais avec le wall, ouais, il voit suffisamment profondément. C'est propre, et j'aime beaucoup d'ailleurs c'est une bonne ligne, puisque c'est généralement à cette position qu'on attend que le drone Sova passe au-dessus pour pouvoir clear tout ce qui est pipe, etc. On est vraiment dans ce petit coin juste au niveau de la corde, et c'est la ligne qu'il voit pixel. Et comme tu le notifiais, en fait ce qui est étonnant c'est qu'on arrive à prendre des zones mais on joue solo, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est avancé, qu'on a laissé un mec, bah, le deuxième recule, là on a un duel de Viper, mais... aucun revenge possible. Le Sova il joue une très bonne ligne, hein. Dès qu'il fait un kill, hop, il tombe et ça fonctionne. Je veux dire, il y a le revenge, il est très compliqué, mais une nouvelle fois, il n'y a même pas possibilité de revenge puisque le caillou décale solo, il n'y a pas de 3-2-1, il y a... Voilà, il manque quelque chose là, on le sent vraiment que chez Loud, il manque un petit peu de teamplay. C'est clair et net.
Ça va repartir sur du 5-0-1, ça, Renault. Hein. Pourquoi se prendre la tête à travailler le middle? Pourquoi pas, s'embêter à casser le trap de je sais pas quoi? 5-0, mon pote, on se fait confiance sur l'exécution et surtout on se fait confiance au niveau du skill, une ouverture et le René Pied, hein, c'est le problème, Icebox, mesdames et messieurs. Même quand ils vont 5-0-1, bah, t'as un Caillou qui se retrouve tout seul à rentrer sur le BP et ses 4 mates sont plus ou moins derrière, ou alors en tout cas, il y en a deux qui sont très très loin. Mmh. Mais je pense sincèrement que ça va être l'une de leurs solutions, hein. Ça va vraiment jouer le 5-0-1. Et on va utiliser une choc d'art, hein, pour péter le trap de Chamber, mais le trap de Chamber a été changé. Cette fois, il est sur la droite. Ouais. Et je crois que du coup, ça ne devrait pas taper ici. On va voir. Il y a le couteau, la flèche arrive et elle pète à droite. Donc, ouais. Pas de trap détruit. On est serein côté Léviathan. Puis au final, même si le trap était à gauche, elle l'aurait pas eu. Comme ouais, ça, j'ai l'impression. Dommage. Même si j'aime bien ce genre de choses. C'est sympathique. On a toujours le stuff classique, le mur de Viper côté B long. On a la smoke middle pour mettre le doute sur les lurkers. Et on se réorganise, comme on l'a bien souligné, sur du A. C'est beau, ouais, le wall de Sage a déjà été claqué par Melzer. Il a été claqué côté B long. Je pense qu'il a essayé de monter sur la ligne verticale une nouvelle fois. Hein. Ah, c'est de faire un trick, très bien. Et c'est parti pour l'ulti de Sadak qui va repousser les joueurs. On joue carrément retake là, pour les Léviathans. On a l'ulti, ils n'auront pas l'occasion de. Ouais, mais il se prend les ondes là. Il peut pas partir plus loin. Il laisse planter et on va faire retake 5v5 comme au pistol, mais là avec des armes et surtout avec des ultis. Là ça va être un round particulier une nouvelle fois. Premier post-plant peut-être, ça joue de loin alors ils se reculent tous. Toujours peur d'un lurker côté Sage. Il y a la Viper qui va prendre un timing, un certain timing mais très 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 lent. Mais du coup c'est un timing mais il va pas post-plant. Il y a que Sassy qui va pouvoir le faire avec son ultimate. Ça essaie de répondre avec le drone qui détecte un joueur dans le nest. On le fait reculer, on va essayer de le choper même avec l'affaire du chasseur et ça marche ici pour choper Aspas. Le transmute touche personne et Less est déjà mort. Less qui a l'air qu'un poil trop vite était attendu par Melzer. Je crois que Melzer c'est sa tâche. On lui dit merde, mec c'est toi qui garde le bac. On a déjà vu sur le pistol King qui en plus casse la distance ici pour aller trouver les joueurs. Pendant que Sassy assure le peu de post-plant possible, on tank un des hits pour désamorcer complètement. Léviathan a fait une excellente critique. Là, on avait changé d'idée, mais ça ne suffit pas. Ouais, et on voit clairement la discipline là côté Léviathan. Le Melzer qui garde la ligne middle, mais pendant si longtemps, il l'a gardé facilement pendant 20-25 secondes. C'était déjà lui au pistol hein, qui faisait ça. Ouais, tu sais, qui avait gardé, ouais, qui avait bien casque à Sassy. C'est même idée là. C'est très très propre. Par contre, je suis un peu. Encore une nouvelle fois, hein, je me questionne sur l'ulti de Sova là, qui est utilisé en 1v4 sur la Recon. Je veux dire, clairement, le round, tu vas pas le gagner avec ton ulti. Et ça me fait penser à un round que j'avais vu, je ne sais plus c'était quoi les deux équipes, mais le Sova avait claqué son ulti en post-plant en 1v4. Ouais. Alors, bien évidemment, il n'a pas mis le round. Mais du coup, il avait plus l'ulti pour counter l'ulti de Killjoy, et ça a snowball complètement la game, puisqu'après, ils se sont fait retake avec l'ulti. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent qui peut se permettre de claquer, mais c'est vrai que le round était déjà perdu, c'est et ça. L'ulti ne suffisait pas. On a un bel open là. Pour Takulina qui avait tenté d'arriver au contact, on retrouve le trade, mais il est tenu en reste. Voilà, open kill pour Lord, rune pour Lord, je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Ouais, ça a voulu changer le rythme côté Léviathan, on a vu qu'on jouait plutôt passif côté A, on investissait le wall de Sage côté Bilong. On met le wall également qui va être détruit, donc c'est une chose qui est très très bien pour Loud. Et ouais, on a essayé de changer le rythme côté A, mais c'était un peu, encore une fois, un peu désorganisé. On a un mec qui pique tout seul à droite, on a le Sova qui saute et qui step du coup et qui va essayer de piquer. Ouais. On attend juste les agressions là-dessus. Rune poubelle pour Loud. Hein. Ouais, clairement. Enfin, pour Léviathan surtout. On a tenté d'être un peu plus agressif au niveau de la grille à droite, là on le voit, et il y a un joueur en contrôle qui tient les joueurs en respect. Et à partir de là, il n'y a plus rien à faire. Allez, on va planter l'amorçage qui devrait du coup approcher Pankada de son ulti. Une bonne chose. Qui plante, ouais. Et King qui va faire des dégâts. Est-ce que c'est intéressant de faire des dégâts? C'est la fin du side. Ah, il a 8 à 6 en poche quand même. Je pense que ouais, il peut se permettre de faire tomber des armes éventuellement. Et tous ses potes sont aussi richissimes à vrai dire. Donc, et au-delà de faire tomber des armes, c'est surtout que s'il fait 2 exits et qu'il meurt, il a son ulti pour le prochain round. C'est pas négligeable. Ouais. Bon, les angles sont pas évidents. Il arrive à voir la Sage à l'isoler. C'est bien. Il faut en faire un dernier. Il entend un autre joueur dans le tube peut-être. Ah, il fait du bruit. Donc là, le joueur dans le tube qui va pouvoir dire les gars, il a sauté au niveau du orange. Ah, et ça va arriver dans son dos. Oh, il est caché, d'accord. Les va faire du bruit. C'est bon, ça a été entendu, mais là il se s'est pris entre plusieurs feux. La flash. Oh, la flèche, elle est. Ouais, elle était parfaite. Et là, on arrive à aller le déloger très proprement pour les Loud. Ouais, on a essayé de changer un peu le rythme côté Léviathan. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que de leur côté, ils vont rester sur ce qui fonctionne. Hein. On va laisser la Sage peut-être côté A. Non, elle repart en B avec le Chamber. Très bien. En tout cas, on va probablement plus tester aussi profondément le contrôle du A. Hein. C'est bien tenté, mais voilà, il voit le joueur à droite, il punit le joueur à gauche. Et c'était terminé. Forcément, il y a des tentatives qui sont faites par Shai, par Melzer, de reprendre des zones, de tenter. Mais le round, il n'y avait rien à faire, franchement. Il y a eu du focus crosshair sur le control map, c'est très bien, pendant qu'on s'oriente une nouvelle fois côté A. On a le spike laissé côté B, alors c'est peut-être juste une petite pression côté A, retour B. Ça y ressemble en tout cas. Pendant qu'on va mettre. On va chercher de l'orbe pour King, et là ça a du sens. Il a son ultimate, et on le laisse du coup tout seul en B. Et en cas de retour B, il devrait
avoir l'occasion de l'utiliser. Le A pour l'instant est verrouillé par ce sniper, toujours l'écran, toujours le Kai aussi qui est là en soutien. Il utilisera son ulti en B lorsque l'équipe adverse commencera à tirer sur le wall, je pense. Ça va être son petit signal. Ouais, pendant que Sage contrôle sur le trap de Chamber, ok, elle reste kitchen, c'est sa routine classique, elle se va, reste middle. Le truc, c'est que le wall il disparaît dans 10 secondes en fait, hein, pour la Viper. Ouais. Donc il pourra pas forcément compter dessus, le rythme lent et loud pourrait fonctionner. Ça contrôle encore, il y a toujours un joueur dans le tube aussi qui pourrait aller chercher le trap, ça serait de bon goût. Ouais, ça me fait plaisir de voir cette équipe loud jouer de cette manière un peu plus disciplinée là. On a vu pas mal de rush où c'était un peu solo, ça allait chercher sans revenge possible et on a kill à travers le mur. Il a une info dans le tube et il tue à travers le mur. C'est incroyable. Un petit tricks de Sova ici. Et on arrive à voir après Fire la ligne pour tuer Aspas lors de la prise d'espace sur le A, sans mauvais jeu de mots. La Viper a quand même fait un petit kill de coupe. Hein. On avait déjà fait un kill mid et on néglige un second joueur, une seconde lame. C'était Less. Et par contre, on a compris, on va ramener à la vie Adverso dans ce round et le finish A dès qu'il va être lu. On va pouvoir faire une belle retake autour, je pense. Ouais, 5v3, il n'y a pas d'ulti possible côté loud. Ils vont quand même essayer de mettre le round. Je partirais plus sur de l'économie là-dessus quand même. Hein. Pour jouer le dernier. Ouais, ils ont leur plan, cela dit. La flèche elle est pas mal, grade des PV sur sa DAC, mais encore mieux, mais il arrive à esquiver ses dégâts. Attention, ça a monté dans le nest pour la Viper. Il faut tenter quelque chose, il faut tenter des dingueries. On décale Takulé là qui arrive quand même à en faire un avant de se faire trade. Et je crois qu'on a les deux informations. Sur la hauteur, on arrose les murs et Shy Mielzer s'impose. 7ème round pour Léviathan. On retrouve le succès. On retrouve le succès et surtout, finalement. Bah, les rounds qui fonctionnent côté Léviathan, c'est quand on délaisse le BP. Hein. Alors effectivement, il y a des kills dans le middle, donc ça facilite le win rate. Mais c'est vrai qu'on a tendance à laisser les BP, à reculer, à juste laisser le chamber. Oh, deux rebonds, incroyable. Trop stylé. Ça, il faut que je fasse. Ok, je note. Encore un truc que je peux faire de mon côté. Allez, servez-vous, mesdames et messieurs, sur tous les moves que peuvent faire les pros comme ça pour se donner un petit avantage dans des duels. Ouais, et on demande dans le chat s'il y a du public. Effectivement, il y a du public, les amis. Normalement, vous l'entendez légèrement. Hein, si vous avez mis le son du stream, vous devez percevoir aussi le son des commentaires turcs. Puisqu'il n'y a pas de commentaires anglais dans la salle, c'est des commentaires en turc directement. C'est assez spécial parce que King, généralement, le voit sur dueliste et du coup, il joue Viper sur Xbox. Et finalement, il fait son taf. Hein, il est en 13-4 là, c'est déjà. Bah, on n'a pas besoin de dueliste sur cette map. Hein. Oh, non, non, bah non. Pas besoin de prise d'espace. Et la Viper, ça reste. Et on s'oriente cette fois sur un 5-0B. Hein. Voilà. 5-0B, ouais, le A, ça va plus depuis quelques temps. Et là, on tente pas mal le coup d'épaule d'un joueur qui permet la décale du sniper. Une belle ouverture ici sur Takolila. Et du coup, on va essayer d'accélérer un peu le tempo avec le drone. Petit trick ici pour Melzer qui compense. Et il va même pouvoir s'extraire de la position. Ouais, c'est une bonne utilisation du wall. Le revive est présent. Ça fait une retake 5v4. Et on a l'air de délaisser une nouvelle fois le BPP pendant que Kayo est en train de faire le dos. Mais il y a Trap Chamber. Je pense qu'il vient d'entendre le trap et il doit reculer. Hein. Il n'y a rien à faire dans le middle. Je pense que ce serait pas intéressant vu que c'est pas amorcé, tu vois, d'aller casser le trap pour mettre une pression et repartir. Là, ils sont vraiment sereins, les Loud. Ils savent qu'ils peuvent rester sur leur 5-0 concentrés face à eux. Et là, ça joue les duels. On a la Viper qui va arriver, qui va pouvoir éventuellement investir son ultimate. Hein. Plus on attend et plus elle aura le temps d'y aller. Là, elle vient de se faire silence. Ouais. Et du coup, c'est se planter. Là, il y a l'ultimate par au-dessus, l'ulti de Shy. On a quand même pu planter. On chope un Sadak à la fin de l'amorçage en se laissant de repartir. Les flèches pleuvent et nouvelle retake en 4v4. On va avoir l'ulti de Viper, je pense, hein, pour essayer de diffuser le spike. C'est le dernier round, il doit être claqué. On l'entend, il arrive. Grosse pression de Shy qui va chercher ses duels avec ses flashs. Vraiment, il joue son caillot très très agressif là-dessus. Il perd son duel contre Pancada. On tire du côté du yellow, ça ne touche toujours pas le spike par contre, hein. On le touche mais sans réussite, c'est Adverso au final qui tient sur le yellow, l'un après l'autre, tous les joueurs, on va chercher le joueur en contact Pancadas qui laisse s'assis en 1v2, il tire à côté ici, un peu trop à gauche, il rentre dans la smoke pour faire son kill mais ça va pouvoir se trade et vu que la moitié du diffuse est faite, c'est facile ici pour King de désamorcer et de permettre à Léviathan d'être largement devant au changement de côté. Ouais, malgré l'entrée kill hein, sur Takolila qui perd son duel face à du teamplay pour le coup, on a une personne qui va sauter pour faire bouger le viseur de l'opérateur, excusez-moi. Et on a un décal directement du chamber côté loud qui fait le kill, ça c'est parfait, on arrive en 5v4 sur BP, mais une nouvelle fois, hein, la retake est très très bien gérée. L'ulti de Viper permet vraiment de rendre parano les adversaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas toucher le spike, ils sont obligés de faire quelque chose, c'est-à-dire que même si tu mets des sprays sur les pings ou quoi, t'es jamais vraiment sûr si tu le touches, si tu le touches pas, si tu vas tuer quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Donc t'es obligé de te commit dans l'ulti, et une fois que tu te commit dans l'ulti, bah, c'est les HP qui decay et voilà, l'ulti de Viper est très 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 fort pour ça, pour les retakes. Hein. Et d'ailleurs, Viper se retrouve en 15-4. Hein. Ouais, il fait une énorme super game. Super début de BO. Hein. Bon. Ok, on a pu retrouver les Léviathans et quel plaisir. Ils nous ont presque manqué, hein. Eux qui se sont qualifiés en premier pour ces playoffs. On avait adoré leur style de jeu sur leurs deux premiers BO. Et là, on les retrouve, la discipline, l'adaptation, des joueurs qui sont en maîtrise sur leurs agents, en maîtrise de leur souris aussi, de leur skill. Et pour l'instant, le 8-4, il est vraiment mérité. Loud un peu plus à la traîne. En fait, les runes qu'ils ont mis,
on s'est demandé presque comment, quoi. Tu vois, genre, ouais, il y a eu un rune déjà d'anti-écho. Il y a eu un rune, tu vois, ils tiennent sur le BP et le miracle est là. Il y a un rune où Aspas fait le doublé et ça snowball. Donc en fait, il y a, on va dire, deux runes vraiment convaincants sur les quatre qu'ils ont inscrits, quoi. Ouais, et encore, même sur les runes convaincants, tu regardes la manière, l'exécution, elle est particulière. C'est-à-dire que t'as un Kayo qui avance tout seul, ils sont que trois à avancer, on n'attend pas forcément refresh de stuff, on lance un couteau, mais on y va genre trois secondes plus tard, on n'attend pas la recon de Sova qui refresh, etc. Donc voilà, c'est encore super désorganisé pour l'attaque. On arrive quand même à arracher quatre rounds, ça peut rester potable. Encore une fois, on est sur Valorant. Si le pistol est remporté, ça peut très vite remonter à 8-8. Très 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 rapidement, mm-hmm. Et après bon bah le cycle ulti etc etc, mais voilà, mais attention Léviathan au pistol, hein. On reste quand même sur un 100% win rate en 3 matchs, ça reste 9 pistol rounds gagnés, ce serait presque un exploit de Loud de gagner et de remporter ce pistol. Alors statistiquement, après c'est vrai qu'un pistol ça se met toujours, on ne sait jamais. Est-ce qu'on est encore d'accord, tu vois, un peu sur ce vieux constat qui dit qu'un pistol qu'importe la strat et tout, il y a quand même plein de choses que tu maîtrises pas trop dedans, tu vois, c'est là où t'as le moins d'outils, c'est là où t'as le moins d'ulti aussi qui peut servir, etc. C'est dur de maîtriser vraiment des pistoles et d'assurer, tu vois, un gros win rate. Ouais, c'est dur, mais je pense que il doit y avoir une recette quand même. Il doit y avoir quelque chose qui fonctionne assez souvent. Et on le voit, je pense pas que Léviathan ce soit uniquement de la RNG. S'il remporte 9 pistoles d'affilée, il n'y a pas une question d'RNG. Il y a quelque chose qui est fait pour. Mmh. Et que ce soit ne pas trop grid, par exemple, sur les têtes parce qu'on se sent chaud avec le ghost ou ce genre de bêtises un peu. Je pense pas que ce soit dû à de la RNG. Et pour le coup, les pistoles sont très très vite remportées par Léviathan et de manière très convaincante. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir cette série? On va le découvrir dans les secondes à venir puisque le pistol du second side va débuter. Léviathan en attaque et ça se masse sur les barrières côté B. On a déjà mis l'écran toxique d'ailleurs. Le couteau va prendre l'information d'ici peu dans le main. Par ici pour ce couteau là qui va faire reculer l'est d'ailleurs. Et donc, ok, combien de joueurs détectés? 3 au total au travail de cette zone. Et je me demande si Adverso. Non, il n'avait pas encore claqué son drone. Heureusement, ça aurait été 400 crédits dans le vent. Oh, le timing. Ouais, contrôle par Takoli là. Il avait l'avantage mais se rate. C'est Sassi qui trouvera le headshot en premier. Une belle ouverture du coup pour les Louds. Alors peut-être. Ouais, alors peut-être, la fin de la série, qu'est-ce qu'on fait? On a une Viper en contrôle extrémité A, il y a des joueurs qui passent sur un BP qui n'est plus trop défendu, en fait c'est défendu depuis le yellow, à longue distance. Okay. On n'a pas de mollo, hein, côté Kayo ni côté Viper, on pourra pas dézone la plante, le Spike sera forcé d'être planté là-dessus. On a encore une mollo par contre côté Kayo chez Léviathan, ça peut post-plante. Le Spike il est loin là, et le Spike il y va pas, le Spike il repart sur la Viper qui passe, entendu, qui prend l'espace, mais attention, il va falloir passer le péage, et le péage c'est Aspas qui a lâché la ligne mid, il la récupère, est-ce qu'il peut voir le sauveur? On met le smoke. King, là. C'est bien fait, et là c'est la Viper de faire la diff, King qui fait le kill sur le Kayo, enfin sur le chamber, pardon, c'est parfait, il se repasse au contact, il va esquiver la flash derrière lui, il va même esquiver, ok, deux joueurs au spawn, un derrière lui, par contre il se retrouve un peu dans la sauce dans ce corner, obligé de jouer à la mort cette duel. Oh, la deuxième coupe de chat, elle est parfaite dans le middle, on arrive enfin à l'nicking de l'équation pour que le Spike ait amorcé 3v3. Le Kayo rejoint déjà ses potes. Hein. Ouais, la recon a déjà été envoyée, on a utilisé la flash de Kayo pour essayer d'aller chercher la Viper qui était dans le middle, ça n'a pas fonctionné. On a encore une molo qui va pouvoir être lancée en post-plant, ce qui est fait maintenant, et on joue assez safe. Hein. Côté Léviathan, on joue très très loin, on a repéré les trois joueurs qui sont silence. Il n'y a pas de wall côté Sage. Ouais, bah il peut pas l'utiliser Pancada pour l'instant. Il doit silence, attendre, hein, la fin du silence, c'est ça, et il va le mettre ici. Il faut casser ce mur, et au pistol c'est délicat, personne ne tire pour le moment. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir defuse pour Pancada sans jamais lâcher, alors que Sassi couvre à la perfection ses coéquipiers. Félicitations. Fin de la série. Fin du cycle. Ce sera 9 pistoles remportées d'affilée. Je pense que c'est peut-être le plus que j'ai vu, hein, d'ailleurs sur Valorant. Hein. 9 pistoles d'affilée, ça reste c'est pas mal. Assez c'est élevé, pas mal. Hein, c'est un bon succès. Et c'est dommage puisque le rune il est stylé. Hein. Alors oui, il perd open kill, ouais, mais on va en B, on met tout ce qu'il faut pour faire croire un passage. Et en fait, la Viper prend l'espace. La Viper, King, il joue trop bien aussi sa coupe middle. Même s'il se fait choper un peu à la fin, il avait clairement réussi à calmer les ardeurs de ses adversaires. Et puis au final, bah, c'est ce wall, hein, le wall qui scelle quasiment le rune. On ne le détruit pas et ça s'y couvre. Bah, on bien, sent quoi, la précipitation de cette qui se dit qu'elle doit prendre les cordes, du coup elle joue pas réellement son duel. Alors déjà qu'on a un premier duel perdu côté Chamber sur le Starlane là, et on part sur une 5-0. Ah mais je le connais, là c'est un repère qui est envoyé par le mid et qui va taper en A, mais bon ça a été détruit, on ne pourra pas en profiter côté Léviathan. On est bloqué par ce mur ici, Screen qui va être détruit mais poussivement, et ça a forcé, vous le voyez, forcé ça reprend sur le timing de rechargement. Sadak fait un double avec sa Bulldog, c'est trade, on ramasse l'arme et on freeze légèrement. Petit force buy, on arrive à prendre un deuxième kill sur Sova, on est en 3v3. Rune qui reste pour le moment. Oh, Pancada, il a une position, elle est attendue, hein. Il vient d'être ping.
Ouais, ouais, on se dit il est bizarre ce wall, il est un peu de travers, et si ça laisse un gap le long de l'électrique pour se cacher, on lui met des flèches qui sont esquivées, ouais. Les Léviathans repartent. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que le pistol, on a essayé de déposer deux lurkers, donc on avait la Viper, et il me semble que c'était le caillot quand il revenait du B, cette fois-ci on va être un peu passif là, côté loud, c'est-à-dire que s'ils veulent retourner sur le B, regarde le chamber, ils vont être naïfs, c'est sûr et certain, ils vont être un peu parano, et au final on n'a pas de retour B, hein. On finit bien côté A, donc on rentre dans le gumble plus ou moins, ça va être du 3v3 en fait. Ouais. Oh, il a vu ici le sommet du crâne de la stèche, ouais. Qui dépasse de vers la boîte. Il en fait un peu trop aussi, ouais. T'as collé là. 36 HP, cela dit, le round est complètement jouable là-dessus. Ouais, surtout qu'Aspas se fait drive-by, on va pouvoir amorcer ici. Il laisse en 1v2, on sait qu'il est low en point de vie. King lui-même est bas, mais il décide de jouer dans la smoke pour surprendre. Leski se fait oublier. Il est toujours backside, il a réalisé un premier duel, mais ne trouve pas le headshot qui aurait été indispensable ici. Léviathan qui remporte le first buy, voilà, ça fait oublier le pistol. Ça fait oublier le pistol, on corrige le tir tout simplement. On demande dans le chat comment ils ont pu avoir des spectres et petits shields. C'est tout simplement parce qu'ils ont planté le spike au premier round. Exactement, ils ont planté le spike, ils ont fait pas mal de kills aussi pour certains. Voilà, quand tu plantes le spike premier round, tu te retrouves vite à 2k6 il me semble par là. Donc le spectre à 1600 plus du coup le petit Kevlar et quelques spells, c'est complètement faisable. Et là ouais, on part sur un round win du coup. C'est assez particulier. Alors qu'ils avaient perdu double open contre Sadak. Et d'ailleurs, faut faire attention à Sage. C'est vrai que la petite natte, alors c'est peut-être stupide, mais sur le skin, la petite natte, les cheveux dépassent en fait des caisses. C'est ça, ouais. Un peu comme la cape de Sova qui peut dépasser de certains corners aussi. On a déjà vu sur Xbox ça arriver, hein. Quand les Sova vont nest, on voit la cape qui dépasse. C'est un peu dommage. Léviathan du coup en 5-0 ici. Ils se savent en anti-écho et ça joue vite. Attention à l'est, le premier contact qui aurait pu avoir un kill de profil, voire même stuff en main. Il n'y arrivera pas, malheureusement, il tire légèrement à côté. On met le wall, on plante derrière le BP. Ici, hein. On ne peut plus save, le fragment arrive mais un peu trop tard. 5v5 critique du coup, et l'avantage est forcément Léviathan avec les armes. Ouais, la long range, c'est un peu, ça devient un peu le même. Oh, ça va rentrer dans la ligne de Kaluya. Oh, là, bah d'accord. Complètement blanc, il tire quand même. Allez, double kill pour lui. Clairement l'avantage. Et là, est-ce qu'on va être naïf sur Melzer, hein? Sa position elle est bien, on l'est. On est naïf, les adversaires qui s'en chargent. L'écran toxique et le mur qui sont sur la même ligne en fin de compte, et ça aide beaucoup. Ouais, à moins d'avoir des dingueries du chamber qui vient de se faire silence. Ouais, ok. On savait quand même qu'il était là, il n'avait pas osé se replacer. 3v2. Est-ce qu'on peut continuer à faire des dégâts? Parce que là, le round c'est mort. Pancada le fait avec un bel headshot. Et Aspas va essayer d'alourdir encore la dette. Premier tir, le deuxième aurait pu permettre de prendre un kill. Mais Shai tira en premier dans le headshot. Ça reste bien négocié pour Loud. On fait tomber 3 armes, on fait tomber le Kevlar de l'armure de Kayo. C'est très très bien fait. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu cette sensation qu'on joue maintenant à la même manière que Pearl. C'est-à-dire qu'une fois que les gens en face, les adversaires sont en l'aumônie, etc., on va jouer les longues lignes côté B. Ouais. C'est la même chose. C'est vrai que le A, quand tu le joues face à de l'écho, en soi, t'es pas forcément sûr maintenant. T'as des longues lignes au début, mais à la fin, c'est chaud. Alors que Lightbox, enfin, la longue B, c'est un peu mieux. Il y a aussi des petits corners un peu délicats, mais ils se clear, je pense, un peu mieux. Il se clear avec quoi. Le couteau déjà, le couteau de Kayo qui permet de clear les tout premiers contacts, et après, ouais. T'as la Recon qui va clear derrière le jaune. Vu que c'est un peu plus exigu, c'est vrai que le couteau fait une belle info complète. C'est ça. Allez, on achète donc beaucoup d'informations avec cette flèche. Il y a beaucoup de personnes du coup en attaque qui sont du côté du A. Et là, ça ressemble un peu à ce que Loud faisait, hein. C'est-à-dire que on contrôle le B. D'ailleurs, il y a ce wall ici qui a été mis encore une fois pour aller chercher des points d'ulti sur la Sage. Ouais, je suis pas. Et c'est là où nous habituons à ces mêmes runes, hein, très exactement. C'est la même chose, et je reste tout de même pas fan, hein, moi, d'utiliser le wall de Sage pour aller récupérer un orb. Je trouve que le wall de Sage, il a tellement une importance, mais incroyable pour les post-plants sur cette map, ouais, sur les retakes, c'est. Après, peut-être que ça va être encore une fois un plan de jeu, hein. C'est-à-dire qu'au début du round, au début du side, on fait ça et plus tard on le dira peut-être différemment, mais c'est clair que là ça complique un tout petit peu les retakes potentiels. Ça prend de la hauteur ici, on pourrait se voir, hein. Peut-être la perspective même, genre j'imagine un coude qui pourrait légèrement dépasser. Il n'en est rien. Non, ça joue assez safe, ça essaie de choper une erreur derrière le gap du wall qui n'arrivera pas. On a toujours ce fameux jeu de stuff entre la smoke et le wall de Viper. Et l'autre fait un pari, hein, je crois. Quoique, oh, la Viper bouge, la Viper rota. On a un petit hit ici. Un petit qui fait tomber l'armure. Et on l'élimine, double décale, hein. En haut, en bas, c'est très bien fait. 30 secondes pour accélérer. On attend de mettre un peu l'anti-stuff tout de même avec l'écran toxique, avec la réussite de Sadak qui a mis le fragment à sa gauche. Shai se fait avoir, on perdra King dans la coupe middle. Voilà, vous voulez le kill de Pancada. Et là, on galère, hein. On galère à planter. On se fait un peu gêné. Heureusement que Takolila arrive à couvrir tout ça dans l'ensemble. La reprise de l'S, elle est silencieuse sur le backside. Il y a un joueur en dessous de lui qui se fait coucher, mais il arrive à en profiter pour faire un doublé à sa position. Trade par Melzer qui se retrouve du coup en pur 1v1. Pancada, Melzer, on se cherche et on se trouve. Pancada arrive à ajuster. Ok, ça finit en 1v1, c'est très risqué. On a eu un Sadak vraiment qui a été très serein sur son fixe BPA malgré tout ce qui lui arrivait dessus. Il a investi la Molotov à gauche pour éviter le passage tout simplement across le mur. Et pendant le temps du proc de la Molo, on garde la ligne à droite, on arrive à punir un mec. C'est bien défendu en soi, vraiment. Et on revive pour l'économie, hein.
On arrive avec la Viper pour l'économie, même quand bien même on est contre de l'écho. Oh, peut-être pas. Je sais pas. On achète encore, il y a les premiers ultis qui vont être investis d'ailleurs. D'accord. Un rune important là, ici un rune clé de la rencontre. Ouais, King qui nous fait vraiment une map. Il est chaud. Ouais, ça c'est rare en 19-6 sur Viper et pourtant ça a pas tendance à jouer le B quand il était fixe B 3 quarts du temps. J'avoue qu'il est mort 6 fois en 17 rounds. Non, là c'est du bait à ce stade. C'est du bait, ouais. Je pense que c'est à cause de lui si on a perdu 6 rounds au total. Allez. Donc ouais, rune compte double potentiellement, Takloya qui se sacrifie, il va jouer à l'ultimate. On fait la présence A et ouais, Aspas tente les premiers contacts, il doit se TP depuis les tuyaux. Et même qu'à perdre quelques PV ici en se cassant les genoux en retombant. Ok. Le mur cette fois-ci on va le détruire et c'est ce qui fait que Pankala n'a pas osé prendre son orbe. En même temps il est très très loin de son ulti, hein, qu'il a utilisé au round précédent. Trap de Chamber en défense, ça a été détruit déjà Kitchen. Ah, il y a une flèche qu'on n'aurait pas forcément non, vu. Non, il me semble que c'est Takolila qui est avancé dans le tube peut-être pour aller le détruire. Ah, genre il aurait mis un TP, hop, il va le casser, il se TP semble, en légende. Puisque je vois aucun TP posé, il est en cooldown. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé, il a été détruire le trap très très rapidement alors qu'il avait son ulti, hein. C'est assez peu commun. Ouais, j'aimerais bien revoir qu'est-ce qui fait qu'il s'est avancé avec aussi peu d'appréhension, tu vois. Alors oui, il a smoke mid, mais est-ce qu'il n'y avait pas un coup de KO pour dire qu'il y avait personne qui chun, je sais pas, dans tous les cas, ça allait très vite hein, pour détruire tout ça. On se réoriente sur un fast A à 5, ça va être une exécution. Pendant ce temps-là, on a toujours Sage et Viper qui jouent à 2B, donc ça va être une défense seulement à 2 puisque le caillou est en train d'entamer une rotate. Puis il joue pas BP, hein. Il joue pas BP, là, il joue Crins et Hauteur, donc plutôt retake avec l'ulti de Sadak probablement. Allez, l'ulti de Shai est investi. Couteau pour le backside. Et s'il s'engage là, il s'engage le KO Sadak. Il a claqué son ulti juste avant et tombe. Du coup, on ne pourra pas le relever. Il s'est pris un headshot tout de suite. Est-ce qu'on peut choper des joueurs? Pas vraiment. Sadak s'est pris d'ailleurs voilà, tous les dégâts. On a tiré ensemble deux concerts et on se rate. Ils y vont pas ensemble. C'est l'un après l'autre ici pour les Louds qui pètent les plombs. On se présente face à des adversaires groupés qui s'imposent dans tous les duels. Et on le trouvera même Less ici grâce à un excellent X-ray sur le backside. Enfin, point Kadat. Une légère révolte, mais il abandonne. Il est en train de se barrer en fait. On concède ici le 11e point. Ouais, on est obligé d'aller économiser les armes parce que sinon on rentre dans un cycle 11-6 sans aucune arme. Donc potentiellement 12-6, ça va être très très compliqué de remonter tout ça. Il faut absolument sauvegarder ses armes. Mais là, comme tu le dis, c'est super désorganisé. C'est-à-dire que là, on voyait une attaque de Lao qui était également désorganisée puisque le caillou avançait un peu tout seul. Les joueurs étaient pas stackés. On lançait pas forcément les sorts en même temps. Bah là, ça revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que la retech, elle est vraiment particulière. Hein. Ouais, c'est même une cata pour moi en fait. C'est pas travaillé. J'ai l'impression de voir, c'est ranked retake, hein, honnêtement. Genre, Sadak, il est screens en mode, il joue retake safe au niveau des screens, il pète son ult, il y va tout seul backside, il se fait coucher, personne ne peut le relever, les mecs ont même le temps de tous lui tirer dessus pour le faire tomber, pour qu'il ait pas d'infos, etc. Voilà, regardez ici, tranquille, en détente. Et après, c'est pareil, c'est bon, alors Less, il se fait éclater, mais c'est Sassy hein, qui lui aussi reprend comme un sauvage backside, sans attente, sans stuff, sans rien. Qu'est-ce qu'ils espèrent en fait en y allant comme ça? Ils espèrent un exploit individuel et fort heureusement, Léviathan les punit quoi. Bah, clairement, à ce niveau de jeu, de toute façon, les exploits individuels, ça va passer quelques fois, mais très rare, très souvent, très très souvent, ce sera puni. On se souvient d'ailleurs, cette fois, ça a fonctionné pour Loud où ils ont juste un joueur qui contrôle le A. Et on a deux joueurs de chez Léviathan qui essaient de venir chercher les contacts. Bah, ils se font punir encore une fois parce qu'on va essayer de chercher ces duels. On va chercher du 1v1, il n'y a pas réellement de revenge possible. On a vu un Sova qui a essayé de sauter pour aller chercher, mais c'était complètement désorganisé. Et là, sur la retake, bah, comme tu le dis, hein, clairement, c'est pas ensemble. C'est pas ensemble. J'ai pas l'impression qu'on ait travaillé une retake vraiment voilà, 100% win rate, même si ça n'existe pas. Voilà, ouais. C'est pas assez organisé. Il n'y a même pas de lurker, on n'a pas détruit le trap de chamber d'ailleurs. Ouais. C'est super intéressant que côté Léviathan qui a mis un trap chamber en dessous le tube, là où généralement on l'utilise pour le B ou quoi que ce soit, alors que c'est une zone qui est rarement push, mine de rien. Généralement, les lurkers viennent du middle. Donc, ce petit trap de chamber dans le middle, il fait vraiment toute la différence. Moi, j'avoue que là, les replays au-delà des kills, j'aurais bien aimé avoir le replay de ce début de round. Comment le chamber, il a les tubes cassés, le trap, comment il s'est extrait facilement, comment il a mis son trap mid et tout. C'est vrai que tout ce travail de début de round, il a été très important aussi pour expliquer comment on a pu passer aussi simplement à la fin. Quoi. Mais je pense qu'on utilise la smoke de Viper très très rapidement et le chamber commence exactement là où commence le chamber côté, côté Léviathan. Et juste, il saute en fait, il y va directement couteau main et. Il se fait confiance. Et il fout le gamble, hein, c'est ça. Est-ce que c'est ça, là? Ouais, il met son trap profond, comme d'hab. Il n'ira pas détruire celui qui est dans le tube. Ok. Loud a acheté, a forcé ici. Sauf qu'il y a deux shérifs. Hein. Ils veulent pas jouer le draw. Par contre, ils ont quand même ulti Viper, ulti Sova qui peuvent être déterminants sur ce round-là et ainsi remporter le 7ème round. Côté Léviathan, on s'attend à des agressions. On attend. Moi j'aime trop hein, vraiment Léviathan, je commence à être fanboy en fait. Bah, on voit vraiment ce style de jeu bah, comme Fnatic hier soir en fait, hein, c'est-à-dire que ça attend, ça se patiente, ça essaie de maîtrise. Punir.
Et je suis tellement content que du coup, tu vois, alors c'est pas encore fait, hein, évidemment, le BO3 il peut être encore assez long. Non, non, 2-0. Mais que enfin les équipes méthodiques ici arrivent à punir ceux qui jouent un peu plus à l'arrache, un peu plus au skill, un peu plus à la confiance, ça fait plaisir. Voilà. Pour moi, c'est la leçon qui a tiré, par exemple, de l'élimination de G2 et d'Ascend en Europe. Bien sûr. C'est un peu ça. Et là, si ça peut arriver aux Champions aussi, c'est excellent. Il va y avoir les premiers contacts pour Sage, je pense qu'il va falloir être fort. Il va prendre le couteau, mine de rien, il va devoir reculer. Il s'est fait silence, il peut pas slow du coup, mais on accélère pas de côté Léviathan, on attend toujours, on avance tout doucement. Il va mettre le wall là, on met l'ulti surtout pour Les, il attend d'être sûr. 30 secondes restantes, ils arrivent les joueurs, doucement mais sûrement. La fureur du chasseur est investie depuis l'abribus, Pancata qui fait le premier kill au niveau du yellow et clairement les désorganisés là, les deux ultis qui sont claqués et qui font un peu douter les Léviathan, mais on va chercher Pancata qui n'a pas changé de position depuis tout à l'heure, il se fait bien décaler par Takoli là. 18 secondes par contre, c'est le temps qui commence à jouer en la défaveur de ces Léviathan qui vont ramener Shai à la vie et ils vont ignorer l'ulti de la Viper et jouer en dehors pour les planter comme d'habitude de loin. Et c'est Takoli là qui continue de faire la tourelle, plante, on réceptionne la Viper à l'intérieur de son propre ulti, c'est très bien fait, l'amorçage est là, et 5v2, il est injouable pour les Brésiliens. Non, c'est injouable littéralement. Long range, ils ont pas trop. Ah, ils ont quand même les Vandales là-dessus, ils ont Force Back, c'est vrai. Ok, premier kill, je sais pas trop ce qu'il a essayé de tenter là, la Viper. Petite dinguerie, ouais, il a voulu surprendre peut-être sur le timing de cassage de mur en se disant je traverse et je vois ce qui se passe. Je suis un peu déçu quand même de Pancada qui utilise pas l'ulti de Viper pour pouvoir se replacer. Il a fait un premier kill, ouais, il va chercher il reste encore, en place. Il aurait pu se barrer, vraiment. Là, c'est même pas qu'il reste en place, c'est qu'il va chercher, hein. Il est derrière le yellow quand un il descend. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, il aurait pu utiliser l'ulti de Viper et c'était super intéressant parce que mine de rien, comme tu l'as notifié, il restait que 15 secondes, on avait une Viper sous molo qui avait, enfin sous ulti, qui avait encore une molotov qui aurait pu deny la plante et ça aurait fait toute la différence là-dessus, mais malheureusement il a raté sa molotov aussi et derrière il meurt. Ouais, petit kill ici de fin de round, pas beaucoup d'impact, c'est Takolila qui tombe, Takolila qui a été un artisan de la victoire avec sa revenge yellow, avec le kill qu'il fait en ayant pris de la hauteur sur le jaune après pour choper les joueurs avant même que la retake soit tentée, voilà, on voit Takolila, il monte et en refait, hein, très important là, sur sa scie, et surtout voilà cette discipline, cette lucidité des Léviathans de se dire, bah il y a un ulti Viper, c'est chiant, mais on l'évite, en fait, ouais, on l'évite, puis... on va planter à gauche, on met le molo à droite, la Viper est à droite, elle meurt dans la molo, c'est trop bien fait en fait. Et on a deux ultis qui ont été dépensés côté là pour finalement perdre l'euro. On a un ulti Viper, ulti Sova, là ça va être très très compliqué. On est déjà à 12-6, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien dans les banques. On arrive quand même à prendre un premier kill sur Kayo. Un très très bon shot de Pancada qui rate pas, hein, mine de rien aujourd'hui. Ok, ulti Sova, pourquoi pas, il a été hit. Oh, c'est bon, ça on arrive à pas, survivre et à soigner. Mais c'est déjà, voilà, c'est déjà compliqué pour Loud qui perd un shield ici sur Pancada. Perdent un shield, ils sont pas trop en low arm non plus, hein. Ils ont vraiment mis la priorité sur les armes et sur le Kevlar plutôt que sur l'armure, pardonnez-moi. Ouais, on repart les coups d'épaule et c'est Aspas qui va prendre la place de Pancada du round précédent, mais même idée, on dégage sur le flash, ça c'est plutôt très bien fait. Le teamplay côté Loud enfin, mais peut-être un peu trop tard, ça c'est très d'ailleurs du côté de Sassy qui était sur le site, et là on se dit bon, il y a quand même beaucoup de joueurs en B, il y a le Kayo, il y a la Sage qui met des slow, il y avait le Sova, il y a le Chamber, si on partait de l'autre côté sur King qui comme d'habitude s'infiltre sur l'extrémité A. Ouais, il reproduit un peu ce qu'ils ont fait au pistol en fait, hein. J'ai la sensation que c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on a perdu le Kayo. Et il peut dire les gars... Il prend un bon timing, c'est bien, hein. On joue la retake A de toute façon, hein. côté l'Est, on va pas prendre le risque de reprendre le BP à ce moment-là. Surtout quand ils savent que ouais, King a déjà infiltré, il a déjà fait ce genre de move. Et donc au final voilà, on mur, screens, on plante. Et on a un Sova qui joue de très loin, adverso, 3v4. Et on a toujours le mur, hein, côté Pancada qui peut être... qui peut faire la différence. On a Sova qui avait essayé d'entamer un lurk, mais peut-être qu'il s'est dit que c'était trop lent. Il revient sur back, cette position. Il s'assure juste qu'il n'y a vraiment personne qui flanque. Et là, il se rapproche. Il va aller jouer sur les pipes pour l'arrêter qu'à venir. Ça va se jouer au duel. Ça va être au skill individuel là-dessus. Ouais, premier duel de Sage là. Remporté par Melzer. Très très bien joué. King qui est invisible. Qui arrive à trade. Ouais, King qui se rate un peu, mais Melzer continue de faire la tourelle. Melzer qui se rate. Enfin, quand j'ai passé d'axe, c'est la clutch. Clutch pour Adverso qui s'est rapproché. Il a pris la hauteur de Kingdom. Et il se passe arc en main lorsque Les le décale. Dommage ici. Vraiment, Melzer avait attiré l'attention hauteur. King aurait pu surprendre, mais King a arrosé les murs. Hein. Tout se joue là-dessus. Il a arrosé clairement. Clairement, il avait deux joueurs de dos là-dessus, il aurait pu prendre les deux assez facilement. Et là, son clutch, je vais pas dire qu'il était facile, mais c'est vrai qu'il il tire un peu dans le mur, hein, face au Kayo qui est en train de diffuser le spike. Je pense que s'il tue le Kayo derrière, il entend la Viper courir autour de lui, et vu qu'il est à la hauteur, la verticalité, il a vraiment de fortes chances de remporter son clutch, il peut vraiment jouer avec lui. Le round aurait pu être différent, le 1v2 était vraiment à son avantage là-dessus. Marie dans le chat, est-ce que vous croyez une remontée des Loud? Ils viennent de survivre une première fois, ils ont encore 5 runes à remettre pour s'en sortir.
à ma gauche là, c'est pas du tout voulant. Jamais ah, non, de la non, vie. Moi je crois pas du ils tout. Ils ne remonteront 2-0 pas. Léviathan. Hein, je... Ah, je suis d'accord pour le 2-0. Hein. Mais je pense que là, ils n'ont pas encore fini. Par contre, ouais, Léviathan ont encore une banque assez solide. Ils ont pu réinvestir et je pense même qu'ils peuvent acheter au next. Donc la route est longue pour l'out s'ils veulent y croire. Alors on travaille de manière solitaire ici pour King. Oh, il a un timing, je crois, sur Aspas. Tout dépend de qui se check en premier, qui voit qui. Il est placé en tout cas avec sa Viper. Ouais, il peut vraiment surprendre. C'est assez particulier. Il faut pas que Aspas soit naïf là-dessus, mine de rien. Le mur de Viper étant été activé, bon. Ok, petite épée sur le tube, c'est attendu. On sait qu'il est là, je pense. Ouais, on sait, ouais, clairement. On lui met des flèches, il y a trois joueurs qui l'attendent. Il fait quand même un pour un sur sa DAC. Très bien. Sur l'extrémité, la Viper reste en place. C'est une sorte d'une vraie histoire de timing. Il se doute, il l'a peut-être vu, non. Non, il l'a pas vu. Hein. C'est vraiment une histoire de timing, 100% entre ces deux-là. Mais tôt ou tard, il va falloir prendre ce timing, puisque tout ce qui va se passer, c'est que le jumper va TP back une fois qu'il y aura de l'activité côté A, et on va pas pouvoir punir. On voit ouais, la Viper qui va repartir d'ailleurs. Qui se casse, hein. Ok, bon, il attendait peut-être un push alors. On a toujours ce trap qui a été posé middle pour éviter bien ce de wall, se faire là. Hein. Ouais, le wall est intéressant. Le King, puisqu'on voit que ça lui fait un petit passage pour l'escalier ici. Ouais, d'ailleurs, faut faire attention sur ce wall de pas le mettre suffisamment, enfin trop haut, sinon en fait la verticalité, là où la Sage se boostait d'ailleurs quand elle était en défense, ouais, bah t'as le petit gap en dessous. Au final, donc finish en A, sauf que bah, grâce à la position du chamber, ils sont forts sur cette zone des loud, et on va mettre comme d'habitude du coup le wall à gauche au niveau des screens, il est déjà cassé. On va essayer de planter en bas de ces espèces de caisses. Le post-plant tombe, mais il ne le trouvera pas. Et Alverso se fait arracher la tête pour qu'elle a doublé d'ailleurs. Chai en bas ou donneur d'ores et jamais le zone en fracin. C'est bien maîtrisé ici de la part des Loud. Malgré les trade kills, c'est eux qui s'en sortent. Ils étaient prêts pour ce finish. Ouais, tant qu'on n'arrivera pas à dézone ce chamber côté Bilong, encore une fois, on va se retrouver à stacker le A tout le temps, tout le temps, tout le temps en défense. Ouais. Faut faire super attention à ça. Ça revient à la même chose sur Bind. Quand tu laisses un chamber s'avancer un peu trop loin côté Bilong, bah, il a toute l'information B. Dans ce cas-là, t'as le stack qui va se faire. Et là c'est la même chose, on voit vraiment le chamber qui bloque toute la bilong et du coup son équipe peut être assez sereine sur le A. Kadak très clean. Hein. Et ça met les shots, hein. Vraiment Pankada est vraiment dans sa game aussi, hein. On l'a vu mettre des petits one tap au deagle, au shérif. Putain, décidément ce vocabulaire ne m'échappera jamais. Il faut s'y mettre, ça va arriver, ça va arriver. Ok, donc j'imaginais un achat possible mais les Viathans font le choix de la sagesse, c'est de l'ice buy ici. Avec ces stingers toujours de sortie et on va jouer rapide hein, pour essayer de profiter de ces armes. Les premiers stuffs sont échangés, on arrive à faire reculer un peu la défense, ils sont trois par contre. Hein. Comme d'habitude, un chamber long bay, il a l'info et du coup le A va être très très fort. Exactement, en fait chamber à lui tout seul lock la kitchen grâce à son trap et lock totalement le bay long quoi. Il se permet même de rota là, on a capté. Hein. On a capté que c'est essayé de planter, sauf que bah, le mur aurait pu permettre l'amorçage, il est déjà détruit. Donc là il va falloir mettre des headshots si on veut pouvoir planter. Oh la mollo ici, on essaye de survivre à l'intérieur, ça va, hein, ça passe pas, ça. Non, non. Oh, ça passe en sautant. Avec les sauts. Ah par contre la deuxième, bon, là c'est bien fait hein, Léviathan, mais comment ça tu mets deux mollo l'une sur l'autre ici. On était certain du positionnement de l'Est et c'est une belle ouverture du coup. Ouais, on en était certain puisqu'on avait une Sage qui était collée au gène et qui entendait les sauts en fait je pense. Ah bah oui, et du coup c'est clean du coup, on communique du bien. Du coup c'est très très clean, même en termes de communication, on essaie de reprendre des informations côté là, on essaie d'être un poil agressif histoire de choper une différence et ils on sent peut-être qu'il y a personne côté en vrai, de court, il y a un boulevard, oh, ils ont fait semblant, on ils s'arrêtent tous pour revenir sur leur pas. Du coup ça reprend l'espace côté de là, des gros timing, on s'aligne face à Sadak qui en fait 3 d'un coup sur une belle rafale. Il est trade par Melzer, mais Melzer ouais, arrive en poil trop tard. 25 secondes, il y a toujours le mur de Viper à devoir, ouais non ce sera trop compliqué là. Hein. On n'investit pas le revive, on compte pas jouer le round là-dessus. Ils ont raison. Ils ont raison, c'était un light buy à l'origine. Encore une fois, même si Loud est bien parti pour s'imposer largement, Léviathan a su être vraiment très dangereux. Il continue de l'être avec l'esquiton, mais c'est bon, c'est Pankada, toujours lui, qui vient assurer la chose. C'était bien tenté, hein, la fake redirection. On se met à marcher, on revient. Il y a vraiment un monde où Shai est de dos. Là, c'est vraiment 50-50. Il y a un monde où on arrive à surprendre Sadak, mais au final, il est bien pressenti. Oui, Sadak, pardon. La timing là, c'est. C'était chaud. Il est content. Effectivement. Il peut l'être. Alors qu'au final, c'est lui qui se fait brain dans l'histoire. Non, il arrive à faire le succès, ça va. Il fait l'exploit, il fait les 3K, c'est très très bien joué. Et en fait, c'est surtout le fait que ça stack son ultimate en fait. Donc là, la remontada est possible, hein. J'y crois pas, mais la remontada reste possible. C'est ce que j'ai demandé au chat. J'allais dire, est-ce que vous croyez la remontada? Deuxième édition. Attention, parce que les places dans le, comment dire, dans le train de la remontada, ça s'amenuise là. Hein. C'est les dernières occasions de venir prendre son ticket. Après, remontada ou non, encore une fois, je les colle avant la game, c'est-à-dire que même si Loud remporte Icebox, derrière on tombe sur deux maps où les Léviathans sont des géants dessus, c'est-à-dire que là, bon, on voit clairement qu'ils n'ont pas eu l'avantage du match, hein, ça fait quand même quelques rounds que les Léviathans sont bloqués BPA, à 12, ouais. Mais voilà, derrière on enchaîne sur Ascent et Aven,
Exactement. C'est ça, Ascent Haven. Donc je crois 100... que c'est Haven en 2 et Ascent en 3. Un truc comme ça. 75% de winrate sur Haven, 100% sur Ascent, ça va être très compliqué. Et là, on est sur un 12-9, donc vraiment, c'est dos au mur hein, directement. Il faut faire attention là-dessus. J'aime bien parce que t'es passé de 2-0 facile à ouais, mais s'ils perdent, ça va. Les j'ai, annoncé après, au début, j'ai annoncé au début que voilà, la catastrophe alors, pouvait bien, arriver sur Xbox. Ça évolue. Tout de même. Alors. Pas de remontada, c'est mort. Voilà. Je suis d'accord avec le chat. Mais t'as quand même évoqué en mode oui, bon, peut-être que c'est pas remonté. Mais tranquille, tranquille, je titille simplement, bien sûr. L'achat est là pour les Léviathans. Pas de sniper à noter sur ta colline. Alors, c'est vrai qu'on a vu assez peu de snipers globalement sur la map, à part en défense pour les Léviathans. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'on fait la classique. Il y a une petite pause claquée, hein, vous l'avez vu. Et la classique, c'est d'abord une pression A pendant que le mid et l'extrémité B sont contrôlés. Ouais, on va laisser le chamber encore, juste on l'aide au début du round, on délaisse chamber et on va stacker le A. King, il refait sa routine, je crois. Ouais, il a mis son mur. Mais il y va pas cette fois-ci. Nouvelle fois, hein. Regarde ce passe. Il a la même position depuis quelques rounds et il bloque tout le B à lui tout seul pendant que tous ses coéquipiers stackent côté A. C'est vrai que pour le coup, Loud cochait un peu mieux les cases, tu vois, que Léviathan. Ouais. Il n'y a qu'une seule fois où Léviathan il est cassé ce trap. Et là, le trap Kitchen, il est là depuis un bail, quoi. Genre, il est plus du tout inquiété. Non, ça joue vraiment bien pour le moment. Petit trap en avant ici, un trap qui fait du coup et le push tube et le push middle. Son téléporteur a été ramassé, je crois, ou cassé, t'as collé là ? Non, il a été ramassé, il peut le réutiliser. 55 secondes, on n'a pas fait grand chose, si ce n'est la pression A, et on revient tester le chamber, enfin. Enfin, on va retester le chamber, ça joue clairement la retech côté B. Le chamber, première occasion, il va juste TP back, il n'a pas d'opérateur, donc à tout moment, il n'y aura pas de punition là-dessus, peut-être un one tap. Il joue quand même le one tap. Hein. Ça, attendu, c'est vu. On a toute la rotation qui s'engage, le chamber qui fait back, le Sova et la Sage qui sont vite en train de reculer. Il va falloir faire un système rideau là. La Sage doit tourner pendant que la Viper reprend le middle et le caillou revient. Ouais, le problème c'est qu'avec le petit caillou, on peut pas mettre de contre-stuff pour empêcher l'amorçage notamment. On doit s'en aller, on doit se barrer. Allez, 24 secondes restantes. Le mur de Sage important, il a été posé et on va chercher plus loin là. Ça sent le traversage. Ah bah non. Bah que dalle, en fait on se fait déjà choper à travers la smoke. Du coup on essaie de planter ton McMahon pour que Melzer peut dire qu'il n'y a personne bonhomme de neige. S'il n'y a personne bonhomme de neige, c'est qu'ils arrivent tous par le labo et par le range et ça passe pour les Louds pour le moment. On néglige par contre Melzer qui a plein de cibles en même temps, mais il est en 1v4 ici, il n'en fait qu'un seul. Il est bloqué, c'est planté pour lui, il n'arrivera pas à remporter son lieu contre Aspas. Il y avait de l'idée, mais les Louds s'imposent au skill. Là ça commence à devenir dangereux, on a toujours un ulti caillou disponible, on a un ulti viper toujours. Économiquement ça devient très compliqué pour les Viatans. Alors peut-être la remontada. On a envie d'y croire. Mais bon, ça Icebox aussi, hein. C'est non, la map qui vante ça. En overtime, les Viatans ils vont gagner. Ouais, évidemment, évidemment. Mais c'est dommage, ils avaient un peu changé, mais ce kill là, juste avant que le wall pop, Shai qui tombe, du coup il n'y a plus les flashs pour essayer de traverser, etc. Et là on voit bien qu'il y a le mur aussi qui se prend quasiment les pre-fire, parce que le kill à travers la smoke, c'est aussi ce qui fait que le mur tombe en un instant, et donc on a un gap dedans, et donc on l'utilise, et donc on reprend ensemble. Et voilà, Melzer il va chercher le spawn, il voit qu'il n'y a personne bonhomme de neige, et c'est trop tard en fait, l'information elle est pas mal, mais elle ne sert à rien dans le cas présent, vu que tous ses coéquipiers sont morts. Light buy à nouveau pour les Viatans. Et ils continuent, hein, ils continuent à aller chercher haut. Hein. Et là, cette fois, ils sont 3, ils vont chercher encore les contacts, ils vont chercher les premiers duels. Il y a un ulti Sova qui est avec vous. Ok. Faites des ponts, ça, si. Mais il touche un peu pendant que le clean sheet va freeze ici. On a le son et pas l'image, ça revient. Voilà, tout va bien. Et là, on a l'ouverture pour Aspas. Il va plus loin, hein, le deuxième shot raté, mais la pression est là. Par contre, il a pas son TP, je vais faire même tag. On va ramener Attack on the Line à la vie pendant que Shai va lui-même souffrir du deuxième joueur qui était à la défense de ce BPB. Et en B, ils sont prêts, ils sont 3 ici. Ouais. Ils n'attendent que le finish, ils sont lus les Léviathans. On commence à avoir à ressentir un peu de pression quand même dans la manière de jouer des joueurs. On a un revive qui est parti. Est-ce qu'il était nécessaire? Ouais, en light buy et tout, ouais. C'est dur, hein. On a perdu le caillou, mais on revive quand même. C'est... Ouais, on revive le chamber qui plus est. Donc ouais. On perd les flashs, on perd le couteau pour prendre l'information. C'est compliqué. Après, hein. Les deux se sont faits en même temps. Au moment où le respar, Shai était encore en vie. Mais bon, ça ne suffit pas. Et on freeze du coup. On utilise ses 40 dernières secondes ici au maximum. Ils sont trop bien remplacés là-haut. Ouais, et encore une fois, on a King qui est en train d'engager un petit Lurking dans le middle là. C'est vraiment le. C'est vraiment la petite la punaise que tu as dans le pied, hein, ce King, hein, clairement. Et on comprend que le A n'est pas défendu, ou en tout cas on l'espère, ça veut dire qu'il y a 20 secondes, s'il cavale, ils vont pouvoir le faire. Là je me demande s'il laisse, s'il n'a pas des molos, si les molos sont bonnes, il peut gagner autant. Hein. On a des molos, on a encore double choc dart, il y a peut-être un combo qui va partir sur le défaut. Non, on préfère aller jouer les lignes, on fait premier kill, deuxième kill, enfin, okay. Ils sont un peu... En fait, ils auraient pu jouer retake, mais quand ils comprennent que c'est les dernières secondes, ils décident de jouer à la mort le site pour empêcher la morsage de toute manière. Team Ace 12 à 11, Loud qui négocie plutôt bien ce light buy, et maintenant tous jouent là en fait. Ni plus ni moins, overtime ou pas. Bon, je comprends
Quand même pas, pourquoi revive, pourquoi le revive de la sèche? C'est-à-dire que même si effectivement il y a le double kill, c'est du gâchis, hein. Quasiment, ouais, c'est du gâchis, c'est-à-dire qu'en lower, en low money, c'est compliqué d'aller chercher les rounds, surtout quand tu te fais lock comme ça par 3 personnes. Faut vraiment accepter que c'est un round qui est perdu d'avance. C'est si ça. Tu peux faire un truc, tant mieux. En fait, le reste aurait du sens s'il y avait eu quelques kills en leur faveur, c'est quoi. Ça. S'ils avaient fait tomber un ou deux défenseurs, peut-être que le reste aurait planté, pu permettre d'y croire. Quelque chose en fait qui t'avance vers la victoire, mais là, c'est vraiment rien, pas ça, quoi. Alors on met plus des patates dans le vide? Bah ouais, je comprends pas. Pourquoi il n'y a plus de airboxing? Et le chat, vous croyez Noka Montada ou pas dans le chat là pour la troisième fois? Dernière occasion ici, 11 à 12. Ouais, ça remonte, ça remonte. On a utilisé l'ulti de Sage. Il me semble qu'on a toujours un ulti de Viper quand même côté Léviathan qui peut faire la différence, mais encore faut-il réussir à prendre les BP. Hein. J'aime bien la scène en fait, j'aime bien la salle. Hein. Les joueurs peuvent être derrière aussi, enfin les spectateurs peuvent être derrière les joueurs, etc. En arc de cercle, c'est pas mal du tout. Non, c'est sympathique. Ça change un peu. C'est-à-dire qu'ils voient aussi les écrans, les joueurs. C'est ça, c'est cool, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Ils doivent être aussi derrière les coachs, je présume. Coach qui doit être quasiment au contact de la foule. C'est vrai que ça change, parce que final, quand tu vas voir un match e-sport, t'as plus les yeux sur la télé, parce que bah, les joueurs, tu les vois pas, hein, ils sont cachés derrière leur écran. Et ils sont en face de loin, toi, quoi, c'est pas clair. Là, c'est vrai qu'il y a une certaine proximité. Ok, du coup, on a un ulti quand même de ce côté Léviathan. Donc sur Viper, on a un orb d'avoir l'ulti de Sova, ça peut faire la différence aussi là-dessus, mais on a tout de même l'ulti Kayo qui peut. Cancel celui de Sova, et on a un ulti Viper également côté là. Alors je crois que le Sova va faire une flèche là, la flèche pour essayer de casser un trap, sauf que le trap n'est pas encore posé. Et on a une agression. Tu casses pas, s'avance. Agression de Chamber dans le middle qui va peut-être possiblement punir la Viper qui a une position juste avec la tête qui dépasse, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est pas évidente. Ici on met un wall un peu en contre-temps dans le main B qui va être détruit. Je suis vraiment pas fan de ce wall, hein. Je trouve ça dingue que les deux équipes le fassent. Ouais, il le fasse beaucoup. Okay, alors, on a une flash là-dessus, on a raté. Un peu raté, ouais, mais l'idée était bonne. Et King, par contre, il a compris que la flash est bizarre. Genre, qu'elle soit envoyée comme ça, c'est quand même un peu louche. Et au final, c'est le drone qui prend le relais de la flash, le drone qui tag la Viper qui se met à couvert. On peut pas trouver l'open kill pour l'instant. Pendant ce temps-là, on a le Chamber côté Léviathan qui contrôle le A, qui attend le petit pas de trop. Peut-être qu'on se doute que ça joue Retech A, on va essayer de faire une pression côté B, retour A, je sais pas trop. Il me semble qu'on va essayer de faire une pression côté B pour que ça se passe. Ils ont l'ulti là-dessus. Ils ont l'ulti d'adverso en vrai. Ils se prennent le couteau, donc on doit déjà temporiser un peu. Ouais. Et attention au temps, 45 secondes. Et c'est clair, on a l'impression qu'ils veulent fake hein, quand tu vois le positionnement de Takolila. Le spike qui est à peine ramassé. S'engage en B tout de même. Il n'y aura pas de retour sur Takolila là-dessus. Ils sont 4 en B, les Lords. Ouais, c'est dur. Hein. Ils sont lus, ils jouent trop lentement pour le coup, sans pour autant prendre des zones. Donc ils se font vraiment renfermer. Ouais. Là, il n'y a pas eu la pression A habituelle qui aurait pu faire douter. Et du coup c'est parti pour la tentative d'exécution de Léviathan, le fragment dans la hauteur, la fureur du chasseur pour le bonhomme de neige et ça passe pour l'instant, on arrive à planter sans l'empêcher, du coup on met le kit Viper par au-dessus pour essayer de tenir ce post-plant 5v5 critique pour finir. Ouais, si les premiers kills partent, on a tout de même l'ulti sur Less qui peut faire la différence sur le BP comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, il a bien investi. Melzer qui était resté sur le BP, le long de son mur, il se fait check par Sassi qui l'élimine directement. On arrive à choper Shai aussi qui était yellow. Et là c'est toute la reprise qui s'enclenche en allant encore plus loin. Adverso arrive à choper en bord d'Ulti Viper. Et du coup l'Ulti Viper de l'attaque d'ailleurs qui tombe puisque King a décidé de le laisser tomber. Et Aspas continue de faire parler la poudre. On met des molos pour empêcher des avantages mais laisse là au moins pouvoir faire la moitié ici. King en spray transfert qui fait ici un énorme kill en clic droit mais on désamorce. Laisse a tenu du début à la fin. La molo de King n'était pas bonne. Même s'il fait tous les kills ici, il n'y arrivera pas. Il y aura bel et bien un overtime ici dans ce match. Incroyable, et tu sais qu'il n'arrive pas à tuer le spike, le mec qui diffuse avec sa molo, puisque son ulti est cancel en fait, son ulti descend, donc il n'y a plus de vulnérabilité, il n'y a plus rien. Et il me semble que c'est le sien, à moins que je dise n'importe quoi. Alors c'est celui l'air, de la défense qui a été mis par au-dessus de celui de l'attaque. Lui-même en attaque, il l'a laissé tomber. Et après en fait il touche, enfin je sais pas s'il touche ou pas avec sa molo, moi j'ai l'impression qu'en fait il ne touche pas, je crois que laisse des amorces d'une seule traite, mais pas sûr. Il m'a semblé voir sa vie un peu défiler, mais ok. Putain, ça se joue à rien du tout, hein, si vraiment la molo... Ah, si la molo touche, c'est fini. Hein, en vrai, si la molo tombe sur Spike, je pense que c'est fini, parce que King il est démoli, à vrai dire. Et ouais. Il aurait pu offrir la victoire à son équipe, mais comme quoi c'est pas si simple, comme quoi Loud, même si on aime un peu moins ce qu'ils font, ça joue un peu moins clairement bien, mais ça suffit. Et là tu vois, chez Léviathan, on a vraiment un King qui est au-dessus, qui vraiment arrive à se différencier, à assumer un peu son skill individuel et à briller, alors que chez Loud, on est vraiment beaucoup plus homogène au tableau des scores. Hein. Il y a vraiment des kills de partout, on est sur une moyenne de 15 à peu près, il me semble. Mm-hmm. Ça reste très correct. Hein. On dit que la molo a touché, bah du coup elle a pas duré assez longtemps je présume et ouais. il a pu le faire en fait il a pu le faire la moitié au moment où ça le touche je présume, il a dû lâcher et reprendre après à la fin en faisant confiance à ses potes pour le couvrir ton McMahon et en faisant confiance surtout à son ultimate qu'il protégeait, Less. Ça s'est joué à pas grand chose, on se réoriente sur une déclic B, on va rentrer possiblement dans une ligne de chamber, attention à ça.
Takolila, faut qu'il soit solide. Il va peut-être prendre le premier kill sur quelqu'un qui est très loin là, le Sova qui décale après. Wow. Ouais, Tiny qui se prend un casque. Hein. Donc l'out qui gagne au change pour le moment. Et maintenant qu'on est repéré, on veut accélérer. Ils ont largement le temps de faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils pourraient repartir, ils pourraient freeze. C'est la deuxième option qui est choisie. Là, on attend peut-être la toxine, la fin de la toxine de la défense et le retour de la toxine en attaque, plus que probablement. C'est ça, et tu vois, c'est là où l'out ne font pas l'erreur de. En gros, ils sont déjà dans cette zone, il reste encore 40 secondes. Là où Léviathan arrive dans cette zone, il reste 25 secondes. Donc c'est clairement 15 secondes qui font la différence en termes de spell usage. On a vraiment tout ce qui est couteau, recon qui reviennent et on utilise des molos pour empêcher le plant, on utilise le wall de save et on essaie d'investir là. On a investi le nest, on va chercher plus loin, mais Takolila est pas naïf, il arrive à prendre le kill sur Aspas pendant Kayo punit deux joueurs, Shai et Metzler. Metzler, excusez-moi. Quel joueur, hein. Quel joueur, ouais. Sada qui prend des risques. Hein. Quand ça passe pas, on est en mode bon, qu'est-ce qu'il a foutu. Mais quand ça passe comme ça, t'as envie de dire ok, vas-y, fais-toi kiffer, fais tes moves, mon gars. Et surtout qu'il a envie d'aller plus loin avec l'Est qui tient au niveau du BP. Et le Kayo qui reste une véritable menace. Et il va arriver dans le dos ici. Un autre kill gratos sur King. C'est Loud qui passe devant au premier overtime. Là, il y a les patates dans le vide qui doivent commencer là. Très doux, c'est parti. Là, on se met le même mental. Vraiment, psychologiquement, je pense que les joueurs sont très bien. Ils ont tapé une très très bonne remontada et. Et ça commence à fonctionner, ça. Je pense que là, les Léviathans sont en train d'avoir peur un petit peu, hein. Il y a la pression là. Et en tout, la simplicité, tu vois. Autant les Léviathans, il y avait quand même, tu vois, c'était assez sophistiqué, des fakes, un long contrôle, etc. Là, ils sont allés à 5 extrémités, ils ont fait reculer le chamber, et on plante, et Sadak fait son move tout seul dans son coin, et individuellement, il offre le rune. Hein. Et c'est dingue de se dire que ça permet de gagner des runes, ce genre de move. Clairement, hein. C'est là où ça commence à se faire un peu punir, où on a quand même un side 8-4, ben là, on se fait un peu surprendre par ce genre de move en fin de game. On est un peu naïf. La flèche va-t-elle toucher, va-t-elle casser? C'est oui, monsieur. Le trap de Chamber est détruit. Donc là, on a déjà une certaine pression au niveau du middle de la kitchen. Les Léviathans en attaque font du coup une présence ici. On va faire reculer Aspas avec le drone qui a été cassé par le coup de sniper. Attention, c'est que les snipers en noté. Bon, pas d'armure. Aspas, il croque sous la dent, littéralement. Ouais, on a toujours King dans le mid qui essaye de prendre des infos peut-être sonores, qui attend une agression de tube. Et l'autre qui continue de jouer retake A, hein. C'est vrai qu'on ne voit plus le A depuis un moment là, c'est fini le A, fin du fun. On a l'air d'engager beaucoup le B, mais c'est parce qu'on est en overtime et il y a très très peu de chance aussi qu'on engage un opérateur en overtime. Parce que tu vois, sinon ça fait juste 100 HP, il n'y a pas d'armure. C'est vrai que les deux chambers ont fait ce choix en défense. Ouais. Mais en même temps, l'opérateur est tellement forte sur ce jeu. Puis bon, c'est chamber, c'est avec cette arme aussi qu'il excelle. Et donc bon, ça repart, ça revient. Quel est le plan là? C'est l'air d'être organisé côté Léviathan. Hein. Au final, on ramasse les stuff, puis on revient. Mais là, on a bougé aussi. Et c'est bel et bien le A qui va sonner ici le destin de ce round. Melser qui est en train de détruire son chewing-gum d'ailleurs. Il prend très cher le chewing-gum. Alors donc coupe de King middle. Il va peut-être être récompensé par parce que Sassy est là, hein, à son contact. Et du coup on essaie de passer sous le site, mais 18 secondes. Le temps est peut-être le pied ami des Léviathans avec Melzer qui tente de planter. Melzer qui tient et ça va passer. Mais Swankala fait l'ouverture au niveau du King. Il enchaîne sur Takolila, il enchaîne encore sur Melzer qui était juste derrière. 5v2, la coupe arrive mais elle est trop tardive. Et on saute sur Shai qui paye du 1-1. Laisse l'élimine et voilà King hors de position. Ça désamorce, ça ne lâche pas. Et Loud l'a fait, la remontada des Brésiliens jusqu'à s'imposer en overtime. Personne n'y croyait, ni sur le desk, ni dans le chat, et pourtant ils l'ont fait. Non, moi j'ai dit Icebox, ils peuvent la prendre, il n'y a pas trop de. Franchement, bon mental en tout cas. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que les Léviathans ont joué très très tard les runes sans pour autant avoir un lurk très avancé ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Ils se sont un peu tétanisés à la fin de la game. Hein. Ils investissent le bilan, mais il reste que 30, 25 secondes, etc. Donc voilà, c'est. Bref, on va pouvoir en tout cas en reparler d'ici 1 à 2 minutes sur le canapé. A tout de suite.